My first question is, it's a very difficult point to understand the, of your ideas. This is a relationship between micro politics and macro politics. Yeah. Okay. Je crois. Je ne sais pas si c'est si cette question assez complexe devra être placée en début de l'interview. Vous jugerez vous-même. Parce que ça m'oblige à un développement assez sophistiqué d'anglais. Mais ça fait rien. Alors, je crois que il est nécessaire de distinguer les niveaux microsociaux et macrosociaux donc la taille des ensembles sociaux considérés et les questions de micropolitique ou de macropolitique ou en d'autres termes de politique moléculaire ou de politique molaire. Ok. Alors je voudrais développer s'il vous plaît. Tu peux développer? Yes. I want to one question. The other point is how the macro politics relates to the macro politics, and macro politics how macro politics relates to the micro politics. Un phénomène macropolitique de grande ampleur, par exemple. Programme de M. Carter, Giscard d'Estaing ou Tanaka, programme électoral, peut n'avoir aucune efficience pratique. Inversement, une lutte micropolitique, comme par exemple la lutte d'un mouvement féministe, ou d'un mouvement homosexuel, ou d'un mouvement d'alternative à la psychiatrie, peut avoir en apparence pas d'efficience au niveau macropolitique, mais avoir une efficience de très large ampleur à l'échelle de tout un pays, voire à l'échelle de toute la planète. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien distinguer le fait qu'une mutation micropolitique dans ce que j'appelle l'inconscient moléculaire peut changer la situation, y compris au niveau historique, ou au niveau de ce que Fernand Braudel appelle le long terme, tandis que de grandes luttes sociales ou politiques à l'échelle molaire n'ont en fait pas d'incidence que événementielle, locale, et ne changent pas véritablement le tissu social. C'était pour vous? J'ai répondu à votre question? Did I answer to your question? Yeah. Okay. One thing I don't understand is the recent reactionary trends in Europe, especially in Italy, where the seemingly old-fashioned repression techniques, just like police force exercise, have been rampant. I wonder whether these trends are the retrogression of power system which fails to control the civil society in a soft and a subtle way, or any newly advanced stage of repression. Also, is it possible to suppose that today's European repressive trends derive from the lack of self-regulating flexibility, just as the American system has? It is only a supposition. Premièrement, Je ne suis pas convaincu que la différence que vous signalez entre l'Europe et les États-Unis continuera longtemps d'exister. Je crois qu'on doit accepter l'idée qu'il y aura une coexistence entre deux systèmes. Un système qui est celui du contrôle social fluide, doux,
et un système qui est celui d'une répression de plus en plus dure et d'une liquidation des anciens systèmes démocratiques, des anciens systèmes d'indépendance de la magistrature, d'un certain nombre de procédures garantissant les droits individuels. Je crois que c'est un phénomène général dans l'évolution du capitalisme mondial intégré. Les travaux de la Trilateral Commission ont d'ailleurs explicitement dit qu'il y avait une sorte d'incompatibilité entre un certain niveau de liberté démocratique, à tous les niveaux, et la restructuration capitaliste actuelle. Vous permettez, je voudrais ajouter deux points à ma réponse sur cette question très importante. Premièrement, nous avons l'indication que toutes les illusions néolibéralistes des économistes américains vont tomber en ruine, en faillite. L'évolution moderniste du capitalisme ne conduit pas nécessairement à un progrès dans le sens de la démocratie et du progrès social. Deuxièmement, nous devons, je pense, réviser les conceptions anciennes de lutte sur les libertés qui consistaient à dire ce sont des questions qui relèvent de la démocratie bourgeoise, ce ne sont pas des objectifs fondamentaux pour les luttes de la classe ouvrière et pour les luttes des révolutionnaires. Je crois que les luttes pour la défense des lois, de l'indépendance de la magistrature, contre la lutte contre la répression à bien des égards illégale en Italie, en France, etc., et devient une tâche absolument fondamentale. En un mot, pour conclure, la lutte pour les droits de l'homme est importante pour les pays de l'Union soviétique, la Chine, etc. Mais elle est aussi extrêmement importante à mener à l'intérieur des pays capitalistes eux-mêmes. Given the difference of capitalist conditions that you said between Europe and the United States, do you think that new form of molecular fascism is more developing in the U.S. than in Europe? Je crois qu'en effet, à l'étape actuelle, ce que je n'appelle pas le fascisme moléculaire, mais le micro-fascisme, c'est une nuance en raison de ce que j'ai expliqué avant. J'appellerai pas le fascisme moléculaire, parce que c'est une formation molaire, au contraire. Je pense, en une phrase, je ne veux pas être long là, qu'à l'étape actuelle, ce micro-fascisme est beaucoup plus développé en Europe qu'aux États-Unis. The microfascism is much more developing in the Europe than you don't think so? I don't understand because I have no experience in Europe. Yes. Could you explain this? That the fact is that le pouvoir d'État dans des pays comme la France et l'Italie s'est considérablement renforcé par ses propres moyens, mais aussi par le fait qu'il tente à absorber dans sa zone de pouvoir les syndicats, les partis de gauche, toutes les organismes comme la sécurité sociale, les équipements collectifs, les masses médias, etc. Tendanciellement, on se rapproche de systèmes totalitaires, pas totalitaires comme l'Union soviétique, mais on va vers une sorte de nouvelle variante de capitalisme d'État. Actuellement, en France, il y a une véritable liquidation de l'indépendance de la magistrature. Il y a une colonisation de la télévision, des radios, des masses médias, qui est absolument incroyable, qui est absolument très dangereux. Et je n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, on en soit arrivé encore à un pareil degré. Yeah, in terms of the such apparatus, I agree with you completely. Yeah, but if so, I wonder why European
government uses such a very hard technique of repression as police force and so on. Vous voulez peut-être reformuler la question, je n'ai pas parlé. The state intervention permeate into their everyday life. I wonder why they have to use such a hard technique. Why they have to use it? Yes, it's a very complex problem, very important question. Alors, la question fondamentale, selon moi, c'est que ce qui se révèle dans les tendances actuelles du capitalisme, c'est une certaine vérité du capitalisme que peut-être on n'avait pas bien vue auparavant. Le capitalisme, ce n'est pas seulement un procédé pour extraire de la valeur économique, de la valeur de la plus-value à travers le processus du salariat. Le capitalisme, c'est essentiellement un système qui veut extraire du pouvoir pour consolider un certain type de ségrégation sociale, de segmentarité sociale. Les moyens économiques du salariat ne sont qu'un élément des moyens d'intervention du capital. Il y a bien d'autres éléments qui mettent en jeu la liberté de circuler, qui mettent en jeu la ségrégation entre les sexes, entre les races, entre les classes d'âge. La ségrégation entre les gens qui possèdent le savoir et la culture, et ceux qui n'y ont pas accès. Pour conclure en une phrase, in one sentence, le capitalisme s'intéresse aujourd'hui autant à la production d'automobiles, aux plus-values qu'il peut faire dans des grandes branches d'industrie, que à la production mass-médiatique, qu'à la production de modelage de la libido, et d'établissement d'un quadrillage social, d'un système de contrôle, de quadrillage social généralisé. Ça fait autant partie de son projet. Auparavant, on pensait que le capitalisme s'intéressait à l'industrie lourde, c'était les usines Renault, les usines Putilov. Et bien aujourd'hui, c'est tout aussi fondamentalement tout ce qui concerne la culture, les masses médias, etc. Et aujourd'hui, la situation s'aggrave, les contradictions s'aggravent, et son problème n'est pas d'extraire plus, d'exploiter plus la force de travail. De ce point de vue-là, il a résolu ses problèmes, mais c'est de garantir toujours un contrôle plus accentué de ses formations de pouvoir. C'est ça son problème. Les contradictions aujourd'hui, ce n'est pas tellement une question de salaire, une question de temps de travail des ouvriers, une question d'extraction de la force de travail, d'exploitation au sens de la formule marxiste de l'extraction de la plus-value. On peut imaginer qu'il multiplie par deux les salaires, divise par deux la journée de travail de la classe ouvrière au Japon, en Allemagne, aux États-Unis. Il ne va pas mourir pour ça, le capitalisme. Mais le vrai problème, c'est les milliards d'hommes sur Terre qui meurent de faim, c'est un certain type de condition féminine oppressif, c'est le manque d'espoir, de perspective pour la jeunesse, c'est l'absurdité de ce système, c'est ça le vrai problème du capitalisme. Et c'est là-dessus qu'il ne lâchera pas. Le vrai problème, ce sont les finalités de désir, et donc par conséquent pour nous, la question de la révolution moléculaire. Et ça, ça ne fera que s'aggraver, s'accentuer. C'est là qu'est la contradiction. Yeah, that's very interesting. You talk to me what I had want to ask you. Fine. If so, can I suppose the basis of quadrillage, you said, the basis of quadrillage is familiarism? Not only, but the most virulent basis of
quadrillage. Because I'll tell you, in the U.S., as long as I know, a kind of family disorganizing is rapidly developing. Nobody controls, but there is. On the one hand, this trend has something to do with a new form of repression of individuals. I would say it's a kind of application of pinpoint segment market technique. What is pinpoint segment market? What is pinpoint? It's a very famous marketing technique. Mm-hmm. It's the famous, for example, you know, the direct mail technique. One person and another person has no connection, but they are organized by the paper organization. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Like this, family disorganizing is rapidly developing, while nobody controls, nobody governs. I want to ask you, do you have any expectation from such trends in order to liberate our repressed desires and to overcome the familiarism? Because some radicals in the United States are very much interested in the homosexual movement and intentionally disorganizing a family. Évidemment, ces secteurs sont très importants. Tous ces secteurs de remise en question du couple, de la famille, de la vie domestique, sont très importants. Mais je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans un piège à cet égard. Il y a aussi bien d'autres secteurs qui sont à prendre en considération. D'un côté, ce que j'appelle les composantes infrapersonnelles, celles qui concernent le corps, celles qui concernent le surmoi, la loi, la répression, la création personnelle. De l'autre côté, tous les autres domaines de la vie sociale, si vous voulez, je distingue infrapersonnel et suprapersonnel, qui concerne l'éducation, la culture, la musique, le sport, etc. Il s'agit d'un phénomène d'ensemble. Les Américains ont un peu la tendance à chercher, avec leur pragmatisme, une solution miracle. Pour les uns, c'est la méditation transcendantale. Pour les autres, c'est l'amélioration des communications intrafamiliales. C'est une technique ou une autre. En fait, il ne s'agit pas seulement d'un problème de technique locale, mais d'un problème de transformation générale des rapports moléculaires existants. Dans tous ces domaines, le capitalisme dispose d'une immense possibilité de récupération. De récupération et de production de l'heure, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire par l'heure, quoi. L'heure, c'est comme l'illusion de dire... Pour moi, la révolution moléculaire n'est pas l'addition de petites, de micro-révolutions locales, de micro-entreprises de libération locale. C'est la prise en compte, en tant que telle, d'une dimension analytique des formations inconscientes dans l'ensemble du champ social et dans l'ensemble des modes de subjectivation. C'est un phénomène d'ensemble. Yeah, American left should read your book. American leftist should read your book. Sure. They have to translate it before because they don't read anything in French. This might be a foolish question. Do you have any affirmative model of a collective with sexual relationships instead of family? No. J'ai pas de recette. Non. Et c'est
si ça se apparaît, ça viendra dans le cadre de l'ensemble d'un mouvement de transformation, mais pas ponctuellement chercher le bon modèle et puis ça va changer pour penser. À la fin du 19e siècle, les socialistes pensaient qu'il fallait d'abord éduquer le peuple pour pouvoir changer la société. C'est une illusion du même type auquel on a cette pensée qu'il faudrait d'abord changer les rapports comme ça interpersonnels. Penser que... Yeah, I completely agree with you. And as for May 68, you found in the beginning of this movement the connection of multiplicity of molecular desires which catalyze tests of force on a large scale. Yeah. Then what about 77 Autonomia movement in Italy? Did the same thing happen in this movement? Because in Japan we have very few information on the Autonomia movement. Alors, l'Italie, depuis une dizaine d'années, est comme une sorte d'immense laboratoire social où on voit apparaître des lignes, des tendances mutationnelles du capitalisme. Et c'est là qu'on voit que les marginalités traditionnelles sont prises dans un nouveau contexte qui en change complètement la signification. Aujourd'hui en Italie, vous avez 4 millions de personnes qui travaillent au noir, je ne sais pas comment on signe. Et c'est un facteur économique d'ailleurs très important, puisque cette force de travail au noir est un des facteurs favorisant la capacité d'exportation de l'Italie. Aujourd'hui, on a vu apparaître en Italie un nouveau type d'attitude à l'égard du travail. Il a toujours existé des gens qui ne voulaient pas travailler, qui étaient des clochards, des marginaux, des inadaptés. Mais là, il s'agit de centaines de milliers, de millions de jeunes qui, d'une certaine façon, refusent la forme du travail existant. Qui refusent donc non seulement le type de production, mais le type de rapport de production. Aussi bien les rapports de type commerciaux que les types d'organisations syndicales, politiques, traditionnelles, qui tendent à canaliser la force de travail. La différence entre le 68 français et le 77 italien, c'est que en 68 en France, la classe ouvrière a été immédiatement contrôlée, quadrillée par la CGT. Tandis qu'en Italie, une part très très importante de la jeunesse, pas seulement de la jeunesse étudiante, mais aussi de la jeunesse urbaine, ouvrière, d'ailleurs avec des catégories très difficiles à distinguer, puisqu'on parle de non-garantie, on ne sait pas s'il s'agit d'étudiants ou d'ouvriers, ont constitué ce nouveau type d'organisation qu'on appelle l'autonomie. Ce nouveau type de vision, de structuration des luttes ouvrières et des luttes sociales. Okay. And I suppose Antonio Negri tried to x-rate some radical possibility from such trends. Yeah. May I? Sure. Je veux profiter de cette opportunité pour essayer de faire sentir à quel point l'arrestation de l'emprisonnement d'Antonio Negri, qui est mon ami, qui est un ami personnel depuis avril 79, sur des accusations absolument sans aucun fondement, combien cette détention est scandaleuse, puisqu'il n'y a aucune preuve d'aucune sorte contre lui, que son procès ne vient jamais à jour, et que, comme d'ailleurs pour la plupart des camarades de l'autonomie qui sont aujourd'hui emprisonnés. Simplement, il a été un, parmi d'autres, des premiers théoriciens à essayer d'éclairer cette situation, qui est d'ailleurs maintenant explorée, reconnue par beaucoup de gens, y compris des gens comme Bruno Trentin, qui sont des gens de la CGT. Je suis allé voir plusieurs fois Negri dans sa prison,
Et je dois dire qu'il affronte ces difficultés avec beaucoup de dignité et de courage. Last year in New York, a branch of il Comitato contro la Repressione in Italy was formed by my friends and others. I wrote articles on it for Nippon Tokyo Shimbun, our journal, our newspaper. Strangely enough, none of mass circulated newspaper here reported on the repression at that time. So I wrote three times. Mm-hmm. Anyway, how did you become involved in a free broadcasting movement of Radio Arice? Yeah. Because I think it has a close connection to your strategy and analysis. Sure, yeah. Mm-hmm. Sure. Je suis lié depuis de nombreuses années avec les différents courants de l'autonomie italienne. Et à ce titre, j'étais donc en contact avec les camarades de Radio Alice qui avaient fait appel à moi au moment où toute l'équipe de Radio Alice avait été emprisonnée à Bologne, à la demande d'ailleurs du Parti communiste italien. Et nous avons organisé une très très grande meeting de protestation contre leur arrestation en septembre 77 à Bologne. Septembre 77. Oui, où il y avait plus de 50 000 jeunes qui se sont retrouvés et là à Bologne, ce qui m'a valu d'ailleurs une très très forte hostilité du Parti communiste italien à mon égard. Par la suite, nous avons nous-mêmes en France développé un courant de radio libre qui m'a valu d'ailleurs d'avoir des procès et d'avoir beaucoup de difficultés avec la police. Mouvement assez maintenant devenu important parce qu'un certain nombre de milieux syndicaux et politiques, après un certain temps, se sont intéressés à ce développement de radio libre, compte tenu de ce que, en France, le monopole de la radio et de la télévision est ressenti comme extrêmement oppressif par beaucoup, beaucoup de gens. So I ask you, what is background, theoretical background of your commitment to the radio movement? D'abord, quand je participe à quelque chose, je n'attends pas de trouver la nécessité théorique. Je me trouve embringué, comme on dit en ce langage. Maintenant, je crois que cette question de la création, de l'utilisation, d'une utilisation de masse d'un média comme la radio est un problème essentiel. Une radio gérée directement par des jeunes, par des ouvriers, par des femmes en lutte, etc., permet d'établir un contact de type nouveau entre les militants et l'ensemble et l'ensemble de la population. Un contact beaucoup plus direct. À la radio Paris 80, à laquelle je suis lié, on reçoit des dizaines et des dizaines de coups de téléphone dans la journée et qu'on passe en direct. Nous avons là un aspect de ce que j'appelle les transmissions transversales de communication. Parce que entendre quelqu'un parler directement à la radio, c'est très différent que de faire un article ou d'avoir une transmission scripturale. Il y a un autre type, il n'y a pas seulement une communication de messages, mais il y a transmission d'affect, de dimension, d'un autre type de sémiotique. À cet égard, l'utilisation de la vidéo ou de télévision libre donnerait aussi des moyens considérables. Il n'y a pas de raison de laisser le capitalisme seul utiliser ce type de moyens. Il faut trouver une appropriation au niveau de la lutte sociale, de la lutte révolutionnaire, une appropriation aussi de ce type de moyens mass-médiatiques. We have not so much time. Sure. Maybe we are trapped in the cadrillage. Sure. May I ask you two questions? One, two questions, okay? Yeah. Aside from Freud, many commentators of you seem to conjecture your theoretical background to be most influenced from Nietzsche. How about Husserl?
I mean, his late implications that, for example, Merleau-Ponty re-elaborated. Pour Nietzsche, Gilles Deleuze, lui, a été vraiment très influencé par Nietzsche, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, j'ai été élève de Merleau-Ponty pendant plusieurs années et j'ai été effectivement extrêmement influencé. Élève direct. J'ai été au cours. It's very interesting. I had some feeling the relationship between you and Merleau-Ponty, and but what about Adorno? You're very much influenced from Adorno. But you may dislike such question. C'est un développement très complexe pour moi parce que, d'une façon générale, bon, je suis très intéressé par les recherches de l'école de Francfort, mais Gilles Deleuze et moi-même avons orienté notre recherche comme une tentative de dépasser la séparation entre le domaine de l'économie politique et, disons, le domaine de l'économie libidinale. Alors, il nous semble que c'est toujours là, quelque part, que l'ensemble des gens de l'école de Francfort n'arrive pas véritablement à franchir ce passage. Il faudrait prendre chacun des auteurs, y compris Marc Hughes, etc. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas aborder spécialement les recherches esthétiques d'Adorno, qui sont par ailleurs tout à fait passionnantes. Je crois que... je n'aime pas l'expression qu'on emploie de façon abusive de la nécessité de faire retour à un auteur. C'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Mais dans la conversation, c'est un peu ce qui me vient comme, à l'esprit. Je crois qu'il y a une nécessité à faire retour à un certain style d'étude, de recherche, qui était celle de Merleau-Ponty, et qui a été perdu par la vogue du structuralisme, par tous les réductionnismes, etc. En particulier, je pense qu'il y a un immense champ d'ouvert en connexion avec les recherches actuelles d'éthologie humaine, un immense champ ouvert dans la ligne de Merleau-Ponty pour comprendre ce que j'appelle les sémiotiques perceptives. Je crois que beaucoup plus que de que les recherches du courant lacanien, etc., je crois qu'un enrichissement de la connaissance de ce que j'appelle l'inconscient machinique pourra se faire en particulier dans ces deux voies, de l'étude de l'éthologie humaine et d'autre part de l'étude des sémiotiques perceptives. C'est ça que je veux dire. Je redis la même chose d'une autre forme, de façon plus claire. Éthologie, hein. Et en particulier, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé les ritournelles comme mode de structuration du temps et de toute la sphère auditive ou au trait de visagéité. Mais enfin, je ne peux pas développer ici. Ritournelle, pour moi, est un carrefour entre justement les recherches de l'éthologie et les recherches d'un style de celle de Merleau-Ponty. I feel that you have some preference for the terminology from mechanics. For example, a term like agencement, or la spiel, just like l'encontre. Segmentaire entre deux pistes, like that. These are very effective in not falling into the notorious bleak between subject object and production or reproduction. Would you tell me the story how you have worked out your terminology and style? Yes. Alors, en fait, il s'agit d'une certaine conception du fonctionnement des systèmes conceptuels qui est la nôtre dans notre pratique et dont nous souhaiterions qu'elle existe aussi de la part de ceux qui lisent nos ouvrages.
Pour nous, les concepts ne sont jamais des catégories universelles, mais des outils fonctionnant dans un champ particulier. Nous ne croyons absolument pas dans cette notion, pour ma part stupide, de scientificité intrinsèque d'un concept ou d'un corps conceptuel. Nous ne croyons absolument pas dans cette notion que je trouve stupide, qui serait celle d'une scientificité intrinsèque d'un concept ou d'un corps de concept. Prenons un exemple. Ce mot très difficile à prononcer en français, et je suppose aussi en japonais, de déterritorialisation. Ce concept, je l'ai rencontré dans l'anthropologie, dans l'ethnologie, à propos d'un certain type de pouvoir territorialisé, ce qu'on appelle dans certaines ethnies africaines, l'opposition entre les chefs de terre et puis les autres systèmes politiques relatifs, par exemple, à la filiation, à différents types de filiation. À la suite de ça, nous nous sommes intéressés au système politique où il n'y avait plus une telle territorialisation du pouvoir. Mais aussitôt que nous avons forgé le mot déterritorialisation, ce mot s'est mis à fonctionner ailleurs, dans d'autres champs. Nous nous sommes aperçus qu'on pouvait dire qu'il existait des religions déterritorialisées, qu'il existait des sentiments déterritorialisés, qu'il existait un mouvement général de déterritorialisation dans certaines sociétés. Peu importe que ce concept soit accepté ou pas par d'autres, si ce concept se met à fonctionner dans son propre champ, par exemple, des plasticiens ont repris ce concept, bon, très bien. S'il ne fonctionne pas, eh ben, ça ne nous pose pas de problème. On peut très bien mener sa recherche avec d'autres types de concepts. Nous ne prétendons absolument pas à l'universalité de nos concepts. Pour nous, le concept de dialectique ou le concept d'abstraction ne fonctionnerait pas de façon satisfaisante. Nous avons donc forgé ce concept de déterritorialisation. Mais peut-être que pour d'autres, ils peuvent arriver à un résultat qui leur convient avec des concepts plus traditionnels comme ceux d'abstraction ou ceux de dialectique. Ça, c'est une... Le concept de machine, je pourrais faire un développement similaire, expliquer pourquoi nous avons considéré que le terme de machine doit être employé pas seulement dans son acception relative aux machines techniques, mais aussi aux machines théoriques, aux machines esthétiques, aux machines sociales, économiques, et ce qui nous a amené à inventer ce prolongement qui sont les machines désirantes, qui représentent une sorte d'intégrale des différentes façons de faire fonctionner le terme de machine. Je vous signale que des biologistes, par exemple, emploient le terme d'engineering dans le système ADN ARN, dans le codage génétique, à propos du codage génétique. Une intégrale au sens mathématique, la notion intégrale. Vous êtes un traducteur magnifique, extraordinaire. Vous avez une virtuosité surprenante. Last beer, last question. I like your question. I think it's better that the next meeting, the following. How have you been collaborating with Gilles Deleuze when you make a... Just after 1968, we have met together and we are... On avait vécu un événement extraordinaire et on a décidé de comprendre dans toutes ses dimensions ce qu'avait été cette rupture, et on a donc commencé à travailler en 69. You intend to continue your collaboration with Deleuze and I think so. I think so. I expect so. Okay. Who is more interested in Kafka? Yeah. Among Deleuze and you, who is more you?
I was the first to write about Kafka. Yes. Enfin, Gilles Deleuze était aussi intéressé, mais j'ai beaucoup travaillé sur le Kafka. Tout ça, c'est en dehors de l'interview, je suppose. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'extraordinaire contradiction entre ce que j'ai appelé la libido bureaucratique perverse d'un certain nombre de personnages de Kafka, bureaucratique perverse, d'accord, qui fait penser aux bureaucrates soviétiques, à une sorte de bureaucratie très vraiment perverse, mélangeant les dimensions. Oui, contradiction. Et entre ça et le surgissement, en contrepartie, d'une loi complètement aveugle, complètement absurde, qui est décollée. Donc d'un côté, il n'y a pas de loi du tout, il y a comme on dit en français, des magouilles, des systèmes de pression, de chantage, dans des personnages, en particulier dans les personnages du château. Et comme la loi s'est affaissée du côté bureaucratique, par contre, on voit une loi incroyable, absolument transcendantale, sans fondement. Quelqu'un vous dit « jette-toi par la fenêtre » et tu te jettes par la fenêtre. Là, il n'y a plus du tout... Il y a une sorte d'étirement entre une perte complète de la loi qui tombe dans des manipulations très immédiates et puis l'érection d'une pure loi transcendante complètement absurde. C'est ce qui m'a paru très représentatif de l'évolution du rapport entre le désir et la loi dans nos sociétés. Je crois que Kafka est un grand analyste d'une mutation fondamentale de l'inconscient moléculaire contemporain et qui nous permet d'éclairer ce qu'ont été les mutations libidinales qui ont conduit au système soviétique et au système fasciste. Il a fait des monographies schizoanalytiques. C'est une plaisanterie, bien entendu. Pour moi, ce sont des véritables documents comme des documents cliniques de notre société. It's very interesting, isn't it? Fascinating. Yeah, thank you very, very much. Fine. Yeah. I expect to see you next time. And your notion of transversalité and so on. Eh ben vous, au moins, vous posez une question bien en tête. Tout va bien. Okay. In Japan, in comparison with the state intervention, mass media is much more controlled by the culture industry than the state. Nonetheless, this will be the peculiar to Japanese capitalism. The interest of culture industry is never against the state. It's synchronizes. Yeah. But it is, I suppose it is different. I should repeat? No. So, how about the situation in Europe? Maybe it's completely different from the Japanese situation. You should not mind about the Japanese situation, but you can talk about the European situation in terms of the state intervention and the culture industry. Très compliqué. Bon. En France, après la guerre, le pouvoir d'État a pris une grande importance dans de nombreux rouages de la société, aussi bien dans les relations entre les travailleurs et le patronat, dans les relations culturelles, sportives, dans tous les domaines. Il faut dire que cette idéologie en faveur du pouvoir d'État est toujours malheureusement soutenue
par la gauche, par les partis de gauche et par les syndicats. Ainsi, soit directement, soit indirectement par des sociétés mixtes ou des associations qui ne sont pas réellement indépendantes, mais toutes sortes de secteurs sont sous le contrôle de l'État, soit directement, soit indirectement. Alors, soit par un contrôle direct, soit par des questions de financement, soit par des systèmes d'influence. Avec le pouvoir de plus en plus réactionnaire qui s'est instauré en France, notamment avec le gouvernement de Giscard d'Estaing, cette tendance s'est encore accentuée. Aujourd'hui, le gouvernement a placé ses propres hommes partout, dans les universités, dans les grands systèmes de presse, dans les radios et les télévisions. You have only the public television only? You have any private station? Any. It's forbidden. Explicit control, not implicit like Japan. C'est un mécanisme très hypocrite. Parce que juridiquement, les chaînes de télévision et les radios sont indépendantes, juridiquement. Mais en fait, c'est le gouvernement qui place les dirigeants et qui contrôle le financement, contrôle tout. L'imposition d'un certain nombre de personnes, de groupes, qui ont réfléchi à ces questions, en particulier, disons, pour fixer une date depuis mai 68, est qu'on ne pourra pas avancer. Les luttes sociales ne pourront pas progresser tant qu'il y aura cette mainmise du pouvoir sur les masses médias. Car ce contrôle s'exerce non seulement sur l'idéologie des individus, mais aussi sur leurs mécanismes psychiques les plus profonds, les plus inconscients. If so, what about the culture industry? Oui, je voudrais finir. La situation est d'autant plus compliquée. C'est que les forces de gauche à la fois sont victimes de ce système et complices de ce système. Elles sont victimes parce que leurs leaders ne peuvent que très difficilement parler, par exemple dans la télévision, qui est le média numéro un. Premièrement, on va couper le mal. Mais elles sont complices parce que leur idéologie les conduit à cependant soutenir le principe du monopole sur les médias. Ainsi, par exemple, voici un paradoxe. Les groupes militants auxquels je participe, qui ont lancé des radios libres, ont, dans la dernière période, pas au début, dans la dernière période, eu le soutien des partis de gauche et des syndicats, mais qu'ils l'ont fait en disant « Nous sommes quand même pour le monopole ». C'est uniquement parce que le monopole est mal appliqué. Mais nous ne sommes pas pour la liberté des radios, nous sommes quand même pour le monopole. Mais le monopole est dévoyé. Cela nous prouve que cette question de la contestation des médias et des radios libres pose non seulement le problème de la manipulation des esprits et des idéologies par les médias, mais aussi un problème politique relatif à la conception de l'État. Hein, ça fait donc trois questions. Hein. Oui, ça la prouve donc, comme j'ai dit précédemment, que les médias intervenaient pour manipuler les idéologies. Deuxièmement, manipuler l'inconscient des gens. Mais ça pose aussi un problème politique sur la conception des rapports entre les individus, les institutions et l'État. La gauche, dans ses conceptions et dans ses pratiques, n'est pas capable de faire face aux nouvelles conditions sociales, nouvelles conditions de vie. Et elle a continué d'orienter ses revendications, soit sur des revendications matérielles immédiates, donc salariales, soit de
prise de contrôle politique des institutions existantes. Mais la situation et les aspirations ont changé. Et dans bien des secteurs, la gauche et les syndicats ont finalement une sorte de position conservatrice à l'égard de beaucoup de problèmes. En tout cas, n'offrent pas d'alternative crédible au pouvoir de droite et au pouvoir technocratique existant. Et ça, c'est très net depuis 3 ans, depuis l'échec de la gauche aux élections législatives. Donc, je crois que ce qui est en question, c'est un renouvellement complet des formes d'organisation, des objectifs de gauche. I asked you because you talked about the ironical function of the left in terms of the radio people. Radio Libre is against the state that's okay. Yeah, you can concentrate your topics in the mass media. C'est par les contacts que j'ai eu depuis pas mal de temps avec des amis de l'autonomie italienne que j'ai compris l'importance que pouvaient prendre les radios libres justement comme un des moyens de renouvellement des luttes sociales. Les radios libres permettent d'établir un contact beaucoup plus direct entre les individus, grassroots people, et les moyens d'expression. Créer un moyen d'expression beaucoup plus, de contact beaucoup plus direct. Approximately when it was? It was in 1977. Yeah. This period with Radio Alice. Mais You mean Radio Aris is earlier than the Radio Libre? Aris, yes. Oh, earlier. Beaucoup plus tôt, oui. Les radios libres en France ont commencé seulement en 78-79. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que il faut bien comprendre que les radios libres en France sont plus un mouvement en faveur des radios que des stations de radio au sens où on le comprend habituellement. Et je vais m'expliquer. C'est un mouvement d'opinion qui développe des actions de radio, des actions radio pirates, mais c'est d'abord un mouvement d'ensemble qui emploie différents types de moyens que je vais énumérer après. Alors, ça va depuis l'installation de radios fixes, permanentes, exposées aux interventions de la police, comme par exemple Radio Paris 80, mais aussi ça implique l'existence de toutes petites stations d'émission faites avec quelques personnes, et quelquefois même des choses qui ne sont pas des stations radio, mais le fait que des gens qui font un concert vont émettre, ou pour une réunion politique, vont émettre ponctuellement de cet endroit. Et il y a aussi actuellement un mouvement qui se développe de façon très puissante en France, c'est le mouvement des Citizen Band. Donc, il y a des moyens d'action les plus divers en faveur des radios, et justement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de construire des grandes stations reconnues, mais que la radio, avec d'autres moyens, comme la vidéo, voire même des moyens d'émission télé, soit mise à la disposition d'un nouveau type de moyens d'expression pour les gens eux-mêmes. Et c'est ce qui inquiète aussi bien le gouvernement que les syndicats et les forces de gauche. Car le gouvernement peut-être serait prêt à faire un compromis pour autoriser certaines stations décentralisées, régionales, locales, à la condition qu'elles soient contrôlées par des notables, des villes, ou par des responsables,
Mais depuis les événements de 77 en Italie, le pouvoir imagine que la radio libre est une sorte de dynamite, une dynamite sociale. Ce qui est absurde, car la radio n'est qu'un moyen d'expression. Elle peut jouer dans un sens rétrograde ou progressiste en liaison avec des luttes, avec des groupes sociaux réels. Au fond, les transformations technologiques de la radio, la miniaturisation du moyen d'émission peut être comparée à l'évolution, par exemple, des moyens de reproduction, des moyens de, tu vois, de rodéo, de duplicateur, des choses comme ça. C'est pas le moyen, lui, qui est révolutionnaire. C'est l'utilisation que les groupes sociaux peuvent faire de ce moyen. Alors, il nous semble absolument légitime d'exiger la liberté de l'utilisation de ces moyens. Il n'y a qu'en Union soviétique qu'on ne peut pas utiliser des duplicateurs ou des photocopieuses librement. Il en va de même avec les radios. On nous fait toujours l'objection de mauvaise foi de dire que la libre utilisation des ondes risquerait de perturber les communications avec les avions, les communications des ambulances et des choses comme ça. Mais c'est un argument de mauvaise foi. D'abord parce que nous, ce que nous demandons, c'est des moyens d'émission qui ne soient pas à longue portée, des moyens d'émission par modulation de fréquence à petit moyen de rayon d'action. Et deuxièmement, parce que nous ne sommes pas hostiles à la Fédération des radios libres, à des contrôles techniques, du moment qu'il ne s'agisse pas de contrôle politique et d'aucune tutelle institutionnelle. What about the influence of culture industry to the situations in terms of the sponsorship? Yes. La situation est très ambiguë. Car il y a de très très gros intérêts privés, notamment des stations, des producteurs de disques, qui seraient en faveur de la liberté des radios. Et aussi des grosses agences de publicité. C'est pour cela que le groupe auquel je participe, qui est la Fédération des radios libres non commerciales, s'est prononcé en faveur de radios libres non commerciales. La question de la législation de la publicité est d'une autre nature, et ce n'est pas notre objectif de financer les radios par des moyens publicitaires. Nous voulons financer nos propres radios par les auditeurs qui envoient eux-mêmes de l'argent si les programmes leur plaisent, comme ça existe d'ailleurs aux États-Unis. But for the present, they are illegal. Yes, sure. I have process. Moi, j'ai des procès. Mon fils, qui est technicien radio, aussi des procès, on a des saisies de matériel, on a sans arrêt la police sur le dos, des arrestations, des saisies de matériel et des amendes. But the station is working now? Yes. Working now? Et oui, c'est Radio Paris 80. Oui. How many hours they have of the program? Ça dépend. Là, pendant les vacances, on avait arrêté, mais il y a environ 10 heures de programme par jour, matin et soir. Would you tell me about the program? Because Japanese audience do not know what is the Radio Libre and what kind of program they provide. So, Alors, je répète d'abord que je peux parler de la radio à laquelle je suis lié, mais les autres sont très différents. Par exemple, il y a une radio qui émet le soir très tard et toute la nuit et seulement de la musique. Over 100 stations of Radio Libre? Station, it's a big word. Well, it's just like in the United States, but a long time ago. A long time ago, yes. But in the United States, many colleges and universities have their own stations, but then never subversive. Yes, but maybe en France, ce qui rend subversif les radios, c'est l'absurdité du monopole du pouvoir d'État. Sinon, il n'y a rien de subversif, les radios. C'est évident, les gens qui font ça ne sont pas subversifs. C'est le fait qu'on se heurte
à cette espèce de monstruosité du pouvoir d'État qui prétend avoir le contrôle sur les citizen bands, sur des choses ridicules, comme s'il voulait contrôler, je te dis, les magnétophones, les duplicateurs, les photocopieurs. Mais les radios libres en tant que telles ne sont pas révolutionnaires. Je veux dire, c'est la contradiction qui fait apparaître des problèmes. So, you may talk about the program in Paris. Alors, une partie du programme consiste à donner des informations sur les groupes alternatifs, aussi des informations qui sont données directement par les gens eux-mêmes, qui téléphonent et qui peuvent parler directement dans la station. Alors, par exemple, les informations, nous ne disposons pas d'un réseau d'agences de presse spéciales, encore qu'on voudrait faire une agence de presse alternative, mais les informations sont discutées directement avec les gens qui téléphonent. Et alors, il y a aussi beaucoup de reportages en direct, de réunions, de groupes de musique, de choses comme ça. Nous recevons aussi des cassettes, des enregistrements qui sont faits par des groupes et que nous passons aussi directement. Un ami italien qui est un des animateurs, qui a été un des fondateurs de Radio Avis, a donné une bonne définition de ce que doit être une radio libre. Et alors, il dit, la radio libre, c'est important parce que quand une personne ouvre le poste de radio et puis entend des bruits bizarres, le micro qui tombe par terre, des gens qui se contredisent, tout ça, il a une sorte de choc. Il se dit, ah, ça peut être ça la radio. Ça peut donc être quelque chose de complètement différent de, des voix stéréotypées, des personnages qui font qui ont une performance linguistique très... C'est une démystification. La radio, tu peux la faire, je peux la faire, je peux parler dans la radio, j'ai pas besoin d'être une vedette ou un... Also, did you talk about the schizoanalyse in this station? Pas avec ce terme-là, mais je crois que le phénomène de la radio est quelque chose comme une schizoanalyse des mass médias. C'est pas la peine de faire un discours sur la schizoanalyse, il suffit de faire la radio libre. Schizoanalyse des médias. Yeah, right. Do it yourself. Mm-hmm. But did you talk about your theory in this station? I don't. No? Okay, generally speaking, a conventional function of mass media is to centralize and to homogenize, basically. In what point do you find another function of the free radio movement, for instance, to decentralize and to diversify and something like that? This is my question in terms of your theory. Yes. Cette fois, dans ma perspective théorique, la question des radios libres dépasse de beaucoup une simple démocratisation de l'information. C'est beaucoup plus qu'une simple démocratisation. Car, avec Gilles Deleuze, nous considérons qu'il n'existe pas, à proprement parler, de langue nationale au niveau des agencements des îles. Nous mettons en question la notion de langue nationale, d'unité de la langue nationale. Les langues nationales correspondent toujours à des formations de pouvoir national. En fait, nous avons toujours affaire à une multitude d'agencements, moi je dis de sémiotisation, d'agencement linguistique, mais de sémiotisation différents. On parle sans arrêt une multitude de langues différentes, de langues mineures. Right. Go ahead. Et les enfants, entre eux, ne parlent pas la même langue que la langue qu'ils parlent avec les parents. La langue qu'on parle dans le système domestique est différente de la langue professionnelle. La langue que l'on parle dans une banlieue
est différente de la langue qu'on parle à l'université. La langue qui est parlée dans la télévision n'est pas la même que celle qu'on parle dans la vie quotidienne. La langue amoureuse est différente de la langue littéraire, etc., etc. Les dictionnaires, les académies et la façon dont les médias officiels sont faits veulent faire croire à une seule langue, à une traductibilité générale de toutes les langues. Mais les linguistes, par exemple en Amérique, ont montré que le Black English est une langue différente de l'américain. Et même certains linguistes ont montré que les femmes ne parlent pas exactement la même langue que les hommes. Madame Lakoff, par exemple, une linguiste américaine. Alors, une autre organisation des médias, au lieu d'écraser les spécificités de ces langues, peut au contraire leur donner une liberté d'expression. Ce qui est en question alors, c'est le respect, le moyen donné aux singularités de désir qui correspondent à ces langues particulières. Donc, les mass-médias peuvent aller dans deux directions. Soit unifier, écraser, traductibiliser, tout le monde parle les mêmes langues, a les mêmes sentiments, a le même comportement, ou au contraire, aider à faire sentir ce qu'est le langage, ce qu'est le comportement, ce qu'est le désir d'un groupe particulier. Comment vivent tel groupe d'enfants, tel groupe d'homosexuels, tel groupe qui vit à la campagne, tel groupe qui vit dans tel de poètes ou de savants, etc. Faire communiquer les singularités de désir et pas écraser. I suppose what did you say just now is related to the topics of cities between the relationship between cities and countries. What about the difference between cities and countries in terms of culture, language, and so on, when you have been committed to the broadcast free broadcasting movement. Premièrement, la campagne n'est pas en France. La campagne, c'est colonisée entièrement par la ville. Mais ce qui compte, c'est les rapports entre Paris comme centre et la province, ville de province. C'est la culture industrielle. Mais par contre, cette question des radios libres est très importante pour lutter contre la toute-puissance de l'expression culturelle et politique centralisée sur Paris, l'impérialisme parisien. Et le mouvement des radios libres s'est d'ailleurs surtout développé en province. Parce que dans toutes les rencontres politiques et culturelles auxquelles j'ai participé depuis longtemps, parce que je ne suis pas jeune, toujours, il y a toujours un moment, une intervention où quelqu'un se lève et dit « Ouais, mais nous en province, c'est pas comme à Paris, on peut jamais s'exprimer, on vient à Paris, etc. » Il y a toujours, dans tous les domaines, hein, les groupes de gauche, d'extrême gauche, les groupes culturels, politiques, et les radios libres sont un moyen de se libérer de ce centralisme. Mais c'est aussi le problème de la presse alternative. C'est tout à fait pareil. Monsieur Guattari, I'm thinking about the influence of mass media based on the big organizations. It's a state control. Such kind of station homogenized almost all kinds of subversive tradition and subversive diversified cultures, various cultures in countries, in cities, anywhere. But do you think your movement can revitalize, deactivize such subversive tradition in your country? Il demande si ça peut y avoir
activation d'un locaux. Oui, je pense, oui. C'est très net, par exemple, justement, avec Radio Teshenaï, qui émet, où il parle à la fois dans les mêmes régions, à la fois le français, l'allemand, et puis l'alsacien. Et nous voudrions aussi développer, mais ça, la répression est très forte, des radios pour les travailleurs immigrés. Mais ça, c'est très, très dur. C'est notre objectif de faire des radios. Such trends belong to the radio label or the big big radio stations? You are talking about the radio label? So, okay. Oh non, effectivement, maintenant, il y a une tendance du gouvernement à suivre les radios libres et à faire des stations régionales, très contrôlées. Ils en implantent maintenant, je ne sais pas combien, une vingtaine actuellement. Ça ne répond pas à notre problème. Gilles Drews, in his interview with Cahiers du Cinéma, November 1976, compared Godard with your theory, or your position. Yes, later? 30分ぐらいです。あと30分。 1時40分ですね。 はい、かしこまりました。 He's saying something like that. Godard is critical that the audience should be paid. He said the audience should be paid just like the producer and so on. While you are critical to the conventional the conventional situation in which a psychoanalyst never pays money to his patient. À un congrès de l'école freudienne, où il était question, dans des termes très formels, du problème de l'argent et de la psychanalyse, j'avais dit, à pas faire rire à l'audience, que puisque le psychanalyste faisait un travail, Durchschreitung, et que le patient, le psychanalysant, faisait aussi un travail, il faudrait que l'un et l'autre soient payés. Mais là-dessus, la discussion, le président de séance a arrêté aussitôt la discussion. But I think it's very important point. Oui, le point derrière ça, c'est que les sociétés dans lesquelles on est, les sociétés que je dis capitalistique, parce qu'elle concerne aussi bien les pays de l'Est que les pays occidentaux, ne valorise qu'un certain type de production. Je crois que il faudrait, dans mon point de vue, ne pas se contenter du couple marxiste des valeurs d'échange et des valeurs d'usage. Il faudrait aller au-delà. Je crois qu'il faut introduire deux autres types de valeurs, les valeurs de désir et ce que j'appelle les valeurs machiniques. Et ainsi comprendre que les valeurs d'échange sont quelque chose dans la société qui doivent s'articuler aussi aux valeurs de désir et aux valeurs machiniques, aux valeurs de progrès machiniques. Les valeurs machiniques, c'est que ce sont, disons, les valeurs de création, les valeurs d'invention. Aujourd'hui, une innovation technologique, une équation scientifique, chimique, ne prendra de valeur dans le registre des valeurs d'échange que si elle a son utilité immédiate dans les processus de production. Mais il y a des valeurs de création, des valeurs de création esthétique, scientifique, et qui n'ont pas d'effet immédiat sur les valeurs d'échange et qui mériteraient d'être financées. Donc, pour moi, je dis les valeurs machiniques, c'est mon expression, les valeurs de désir, un enfant qui va faire des dessins, qui prend
c'est quelque chose, ou quelqu'un qui va chanter dans la radio, c'est quelque chose qui devrait s'insérer dans les valeurs d'échange au même titre que les autres valeurs d'usage. Par exemple, le travail des femmes à la maison, le travail des enfants à l'école, c'est une vision peut-être utopique, mais c'est quelque chose qui nous permet de comprendre, de critiquer le mode de valorisation capitaliste. C'est toute la finalité de la division sociale du travail qui est en question. La division sociale du travail toujours converge vers les valeurs du capitalisme. Mais elle peut aussi, on peut imaginer qu'elle puisse aussi converger vers la vie quotidienne, l'aménagement de l'environnement, l'aménagement, les possibilités données aux valeurs de désir, aux valeurs de création. C'est une toute autre finalité sociale. Le capitalisme s'est construit, a construit son système de hiérarchie, de ségrégation sociale, sur la rareté des marchandises produites. Mais les valeurs de désir, les valeurs que j'appelle machiniques, ne dépendent pas forcément de la rareté des marchandises. Donc on peut imaginer une société où les activités humaines ne soient pas sous la dictature des valeurs économiques de rareté. C'est ça que j'appelle, pour moi, la perspective d'une révolution moléculaire. Changer les objectifs de la finalité sociale du travail, la finalité des activités. Ce qui est possible si la machine productive est suffisamment développée pour supprimer la rareté, supprimer la faim, supprimer les besoins de logement, etc. Or, aujourd'hui, le capitalisme entretient la rareté, affame une partie de la planète, produit artificiellement de la rareté. C'est complètement absurde. Pour se maintenir, il produit la rareté. Par exemple, la rareté dans l'université. Tout le monde ne peut pas faire les études. Pourquoi ? La rareté dans les moyens d'expression, dans les médias, pour chanter, pour créer. Mais pourquoi ? Hein, seulement des vedettes, seulement, ou des champions de sport. You mentioned about your involvement in movie. You wrote a scenario, script. Je travaille avec des amis, oui, dans la vidéo, mm-hmm. Et oui, nous avons produit là récemment un petit film vidéo. Pour la Biennale de Paris, en utilisant notamment une caméra de vidéo miniaturisée qui s'appelle en français la Paluche. P-A-L-U-C-H-E. Tu connais la Paluche, non? C'est un ami, Beau Viala, qui travaille à Grenoble, qui est un ami de Godard, qui a inventé une caméra extrêmement maniable, une caméra vidéo qui est aussi maniable qu'un micro. Et nous avons aussi expérimenté les procédés de colorisation vidéo. Essayer d'expérimenter ces nouveaux moyens d'expression différents sujets. Enfin, le réalisateur est un de mes amis, François Pain, qui a d'ailleurs fait 4 mois et demi de prison, absolument pour rien, dans une histoire de répression. Tu étais pas au courant? Non, non. C'est un de mes très bons copains qui a été en prison à ma place, on peut dire, parce que on soutenait les Italiens, et la police a fait une répression très forte sur tout notre groupe d'amis. François Pain. P-A-I-N. Parce qu'il a été arrêté après, à propos d'une manifestation à Paris. Pour notre soutien contre l'extradition des militants italiens. Sauf que lui, François Pain, est allé en prison. Moi, je ne suis pas allé en prison. Mais c'est mon très bon ami. Non, non, division du travail. C'est vrai. Mais c'est un très très bon copain, et c'est avec lui qu'on fait cette tournée. Et d'autres d'ailleurs. Did you have a collaboration with Jean Godard? Pas régulière, je le connais, mais pas de collaboration directe. Non. As a matter of fact, he's still radical. You think so? Enfin, disons qu'il a, pour faire une réponse très sournoise, disons qu'il a participé. À des mouvements radicaux. Still now?
Recently, I have read a news article. No comment. He made a film in Hollywood recently. Yeah. Mais c'est difficile de juger. Moi, je fais pas de jugements moraux sur le. À certains moments, quelqu'un joue un très grand rôle. À d'autres moments, il suit sa trajectoire. Moi, je suis pas. Je suis pas un juge, un moraliste à l'égard de ça. C'est un très grand créateur. Bon, ben, il suit sa trajectoire. For the present, you intend to still continue to commit yourself to the radio movement. Oui. Oui, oui, d'autant plus que maintenant, alors qu'au départ nous étions dans de tout petits groupes, une poignée avec Guy, des gens comme ça, maintenant il y a le Parti Socialiste, toutes sortes de mouvements de gauche, la CGT, qui s'est mis à défendre les radios libres. Sauf que la CGT a fait fermer Radio Longueuil. Elle-même a fait fermer. Parce qu'elle s'est sentie menacée, le bureau confédéral. Mais maintenant, le problème des radios est vraiment devenu un problème national. À Longueuil, il y a eu de très grosses luttes ouvrières contre la fermeture des aciéries. Et pendant un an et demi, ils ont fait une station de radio libre très puissante. Mais radio libre ouverte aux autres syndicats, aux autres groupes. Et ça n'a pas plu à la direction confédérale de la CGT. Toujours le même problème où on voit qu'une certaine conception du centralisme étatique se retrouve quelque part dans le fonctionnement des organisations. Could you summarize your videotape work, the story? Very brief. C'est quelqu'un, un homme, qui part de chez lui en claquant la porte qui, à la suite d'une dispute avec sa femme, qui descend très vite l'escalier. Et qui dit quelques mots au concierge qui va chez différents commerçants, mais qui, à travers ça, ressent toute une série de changements dans sa perception du monde autour de lui. Qui vit donc une crise psychologique très grave, et ce qui le conduit à prendre contact avec d'autres gens, avec notamment un groupe de marginaux, un groupe. Mais dans un premier temps, il ressent les publicités, ce que lui disent les commerçants, comme quelque chose de menaçant. C'est comme un début de trouble un peu paranoïaque, quoi. Et puis, il voit ces gens très différents, qui ne cherchent pas à le prendre, à l'attirer, mais il s'associe à eux, il marche avec eux dans ce qu'on appelle les squats, tu vois, une squatérisée. Il marche avec eux, et puis ça n'est que la première partie, parce qu'on voudrait ensuite développer une autre partie sur. Mais on a eu l'argent seulement que pour la première partie, un tout petit peu d'argent. What is the style of this work? It's avant-garde, like... C'est très particulier parce que la caméra permet de faire des mouvements extrêmement adaptés à chaque situation. Il y a beaucoup de gros plans. Et je crois que ça, cette technique, et la technique de François Pain, capte des gestes, des phénomènes d'ambiance qu'on ne peut pas saisir avec une caméra, avec des mouvements plus classiques. C'est une prise beaucoup plus plastique des mouvements, des expressions de visage, des impressions. Je ne sais pas comment dire, ça démultiplie les possibilités de mouvement, quoi. Et la colorisation donne aussi beaucoup de moyens de traduire des Could you give us your bibliographical notes for the reader? Very general. Pas les livres. Non, pas les livres. Ben, j'ai 50 ans. Je suis né dans la région de Paris. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait un cursus très curieux. J'avais commencé des études de pharmacie. Ensuite, j'ai abandonné parce que ça ne me plaisait pas. J'ai fait des études ensuite de psychologie, de philosophie. Et puis, je suis rentré au séminaire de Lacan, au groupe de Lacan, dès 1953, dès le début. Je suis resté là. Qu'est-ce que c'est comme séminaire? Et j'ai été psychanalysé par Lacan, j'ai fait mon cursus de psychanalyse chez Lacan, et
puis je fais ma rupture avec Lacan au moment de la publication de l'Anti-Oedipe. J'ai travaillé depuis la création d'une clinique de Laborde à Courchevernie, clinique psychiatrique, où des systèmes alternatifs ont été mis en place, mais avec lesquels j'ai certaines divergences et il y a un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas du tout une équipe homogène actuellement. Je suis toujours lié à cette clinique, mais je ne suis pas au centre de cette expérience. Okay. Thank you very much. First of all, let me have your analysis of the present situation of France, where you have a new government. Eh bien, franchement, c'est une situation incroyable. Il n'y a pas de mot trop fort. C'est une situation inespérée. Parce que je dois vous dire que tout avait été fait depuis le général de Gaulle, depuis le président Pompidou et surtout depuis Giscard d'Estaing, pour qu'une telle situation soit impossible. Tout avait été fait du point de vue constitutionnel, du point de vue des transformations du fonctionnement du Parlement, du point de vue des manipulations des mass médias, pour que jamais en France il puisse y avoir ce qu'on a appelé une alternance. Il est très difficile, personnes qui ne connaissent pas parfaitement la situation française, de comprendre ce mécanisme. Parce que vous avez l'habitude de considérer normal qu'un jour un président de la République en Italie soit un socialiste, un autre jour démocrate chrétien. Vous avez l'habitude de l'alternance en Angleterre, entre les travaillistes et les conservateurs, ou bien en Allemagne, ou même aux États-Unis, entre les démocrates et les républicains. Ça n'a rien à voir du tout avec la situation française. Car, je vous le répète, tout était fait pour empêcher la liberté. Avant la Ve République, il existait une possibilité que, quelquefois, 13 ans, accidentellement, la gauche vient au pouvoir. Mais aussitôt, les banques, la réaction s'organisait pour que déclencher une crise très dure, et la gauche tombait par impuissance au bout de 5-6 mois. C'était ça, l'alternance dans les anciennes situations françaises. Mais même cette petite alternance qui a conduit au gouvernement Blum pendant, je ne sais plus, 6 mois, 1 an, ou à la libération à quelques années de gouvernement socialiste, même cette alternance était considérée encore comme trop menaçante par la bourgeoisie française. Elle avait encore un souvenir comme un cauchemar, un souvenir très mauvais comme un cauchemar, du Front populaire et des grandes conquêtes démocratiques et sociales du Front populaire. Elle ne voulait pas de ça. Elle avait pris tous les moyens pour empêcher ça. Et là-dessus, l'arme qu'elle a forgée s'est retournée contre elle. Ce n'est pas 5 ou 6 mois d'alternance d'un faible gouvernement socialiste. C'est un gouvernement socialiste pendant 7 années, avec tous les moyens forgés par la bourgeoisie, qui tombe cette fois dans les mains de la gauche. C'est une situation inouïe, incroyable, à laquelle je dois vous dire personnellement, à laquelle je n'avais pas cru jusqu'au dernier moment. If so, it is good for the leftist in France. Sure. Mais. But to what extent it is good for leftists in detail? C'est très compliqué. Parce que, à un premier niveau, vous devez considérer que la gauche est décomposée. La gauche n'existe plus.
Elle existe au niveau parlementaire, mais au niveau militant, au niveau réel, au niveau des masses, c'est rien. La gauche et l'extrême gauche ont été limées, usées. Il y a une chute radicale de la syndicalisation. La jeunesse est très dépolitisée. Alors, c'est vraiment par accident que la gauche est venue au pouvoir. C'est un accident historique. Mais il faut bien admettre aussi que l'histoire est faite aussi d'accidents historiques comme celui-là. L'histoire, c'est pas quelque chose qui se déploie selon des plans divins. C'est fait aussi d'accidents. Alors, dans un premier temps, à ce niveau, je ne crois pas du tout que le gouvernement Mitterrand fasse de miracles. Je crois que ce sera un gouvernement qui prendra quelques mesures en faveur des revendications les plus immédiates, mais qui aura une difficulté immense à gérer la crise économique et à gérer les conflits sociaux. Le Parti communiste s'est comporté de façon vraiment honteuse dans ces dernières années sur toutes les questions sociales, en particulier vis-à-vis des travailleurs immigrés. C'est un thème sur lequel je suis moi-même intervenu assez activement. Le Parti communiste s'est déconsidéré auprès des masses, il a perdu beaucoup de son électorat. Le Parti socialiste est divisé en diverses factions très différentes les unes des autres. La faction CRS de M. Chenevent n'a vraiment rien à voir avec la faction de... De l'aile droite, de... comment ça s'appelle, lapsus. Enfin, lapsus, ça a un trou de mémoire. Enfin, le nom va me revenir après, je le dirai après, le nom. Je cherche le nom de l'aile droite du PS, de Morroy et de l'autre leader. Vous vous souvenez de son nom? Non, on reviendra. Alors, mais justement, si cette situation ne devait durer que quelques mois, on pourrait prévoir l'échec. Mais étant donné qu'elle va durer plusieurs années, on va assister à une restructuration complète de la gauche. C'est donc une chance historique, non pas pour ce gouvernement de gauche, pour M. Mitterrand, mais pour toute une série de mouvements, de contradictions qui vont apparaître et qui devraient, du moins je l'espère, aboutir à la création d'une nouvelle sorte de gauche. De gauche, je pense aussi, de gauche révolutionnaire. One thing I'm afraid is such situation might escalate the left-wing oppositions in France. Could you explain better your idea? Yeah. Because the situation in France is very special or isolated from other countries. So, try to escalate or strengthen the action of left-wing in France and in Europe. It might be possible. What sort of escalation do you imagine? It's because the left-wing people will be scared by the growing, flourishing situation of life. Yes. It might be possible. Or such trends might be liquidated by the
present situation, in which the left wing is more and more flourishing in France. C'est très difficile de faire des prédictions, mais il me semble que dans les 6 mois qui viennent, la poussée de la gauche va être tellement puissante que la droite va rester sur la défensive. Elle fera du sabotage économique, elle fera de la résistance. Mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois? C'est toute l'inconnu, parce que de 2 choses l'une. Ou le gouvernement Mitterrand va vraiment transformer la société française, auquel cas alors on aura une situation extraordinaire du point de vue de la force de la gauche, mais aussi de la résistance de la bourgeoisie, de la droite. On aura une sorte de situation révolutionnaire qui apparaît. Ou beaucoup plus probablement, M. Mitterrand fera alliance avec le centre et ne changera rien d'essentiel à la société française. Dans ce cas, il y aura un certain mécontentement dans la classe ouvrière, un certain désenchantement. Et finalement, on se trouvera dans des situations un peu similaires à celles de l'Allemagne, où la social-démocratie deviendra de plus en plus autoritaire, sera confrontée avec des problèmes d'autorité de plus en plus difficiles, et où un nouveau type d'alliance entre les sociodémocrates et le centrisme apparaîtra. C'est là que je retrouve le nom qui me manquait, celui de Rocard, Michel Rocard. Et il faudra ajouter dans l'interview, avant le nom de... quand j'ai parlé de mon roi, ajouter le nom de Rocard. Je ne me rappelle plus de nom. C'est là qu'on verra apparaître une mutation, peut-être, du Parti Socialiste, qui se transformera en Parti Social-Démocrate, peut-être, disons, de type allemand ou de type travailliste anglais. Ça, c'est, disons, 2 schémas, 2 scénarios possibles. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce n'est pas une prévision. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'histoire dans les lignes de la main ou dans le marc de café. I was thinking about Eurocommunism in Italy, so I was afraid. What do you think about Eurocommunism in Italy? I have heard it was collapsed. Yes, absolutely collapsed. Italy. Mais d'abord, l'eurocommunisme n'existe plus comme phénomène européen. Parce que les partis communistes en Europe sont tous très très différents les uns des autres. Je crois que le terme d'ailleurs a été abandonné comme récemment. Et d'autre part, en fait, le parti communiste italien est devenu un parti social-démocrate. Il cherche l'alliance avec la démocratie chrétienne. Alors, à cet égard, il est très différent, totalement différent, du Parti communiste français, qui est, lui, beaucoup plus que jamais, un parti stalinien, un parti lié à Moscou, etc. Très dogmatique. Bon. Donc, la comparaison est très, très difficile entre l'Italie et la France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des problèmes économiques, notamment pour ce qui concerne le développement du travail, disons, de ce qu'on appelle en Italie les non-garantis, c'est-à-dire le travail noir, le travail marginal, toutes ces couches de population qui échappent au procès traditionnel de travail. Ça existe aussi beaucoup, beaucoup en France, un peu dans la voie italienne. Mais les superstructures politiques sont très, très différentes, totalement différentes. Il faudrait en parler longuement, mais ce n'est pas l'objet de cette interview, mais il y a toute une tradition de centralisme en France qui n'existe pas en Italie, il y a toute la tradition du mouvement ouvrier, etc. Oui, c'est ça. Comment est-ce que Antonio Negri
Antonio Negri. Ben, je l'ai vu, je l'ai vu il y a quelques mois, lors de notre interview, la dernière interview, je vous avais dit que je l'avais rendu visite. Je suis allé le revoir à nouveau. Mais. Still in jail. Oui, mais la situation est dramatique. Parce que après les émeutes de Trani, à laquelle il n'avait pas participé, il a été brutalisé, il a été vraiment traité de façon terrible pendant un mois, tous ses papiers ont été déchirés, et aujourd'hui il m'a dit qu'il est comme un otage, il risque de faire de la prison simplement parce que la bourgeoisie italienne veut se venger de l'autonomie, mais son dossier est absolument incohérent, ne tient absolument pas debout, il n'a aucune sorte de fondement. Et ça, je vous le répète, c'est un véritable scandale. L'affaire Dreyfus, à côté de ce scandale, c'est une plaisanterie, c'est rien. C'est vraiment monstrueux. Actuellement, vous avez 3000 militants de gauche en Italie qui sont en prison, dans des conditions très très dures. Et si ça continue, on va avoir une situation de type irlandaise qui va se développer dans les prisons italiennes. C'est dramatique. Et ça, je profite de l'occasion que vous me donnez pour lancer un appel à tous ceux qui lisent votre journal pour faire le maximum d'actions de solidarité en faveur de l'Italie. Parce que, bon, ben nous, un certain nombre de gens viennent ici pour essayer de soutenir la cause de Kim Dae-jung, la cause du peuple de sud-coréen, mais il faut aussi que la solidarité soit dans les deux sens. On a aussi besoin de l'intervention de nos amis japonais pour protester contre cette situation intolérable en Italie, ces atteintes à la démocratie, ces atteintes à la justice. The curry is not working there. The curry is a committee of the committee against the April. It's a committee protest the arrest of Antonio Negri and the autonomy of people. It is not working there. C-A-R-I. Committee. You know it very well. Yes, yes. Oui, on a fait une réunion à Londres très importante sur la situation en Italie. Et actuellement, on est en train de saisir le comité Bertrand Russell et Amnesty International. Et j'ai aussi parlé personnellement de la situation avec M. Daniel Maillère, que j'ai rencontré ici. Daniel Maillère, qui est président de la Ligue internationale des droits de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, ça prend des proportions, et je crois que peut-être vous pouvez prendre aussi des initiatives auprès d'Amnesty International ou d'un envisager toute forme d'action pour sortir nos camarades italiens de prison, dont la plupart, du point de vue même de la justice bourgeoise, sont absolument innocents. Et puis il y a un problème d'amnistie qui se pose maintenant, car on n'en sortira jamais s'il y a cette escalade continue entre la lutte armée des brigades rouges et puis la répression du pouvoir d'État. C'est une sorte de cercle vicieux. Il faut aller vers une reprise de la lutte des masses et la libération par l'amnistie de tous les camarades emprisonnés. C'est ça mon point de vue. Next question. During a few years, we have lost some eminent people as Sato, Bart, Francis, living Archer. So, how do you think of that? Especially for those in France. So, what do you have any comment? Well, du point de vue culturel, vous avez énuméré des gens qui ont une très grande importance. Mais. Je dois vous dire que du point de vue politique,
avec l'évolution de la situation en France, ils avaient beaucoup moins d'importance, comme tous les intellectuels. Car le pouvoir s'est employé à réduire toute possibilité d'intervention des intellectuels. Jean-Paul Sartre, par exemple, n'a pas pu, pas plus que les intellectuels, aucun intellectuel de gauche ne pouvait pas s'exprimer à la télévision. Jean-Paul Sartre avait, je crois, 2 ans avant sa mort, avait projeté de faire toute une série d'émissions de télévision et le gouvernement s'y est opposé. Bon. Un certain nombre d'intellectuels, pas les nouveaux philosophes, hein, pas les nouveaux intellectuels style Lévy et compagnie, parce que ceux-là, je les déteste, vous savez très bien, parce qu'ils ont été vraiment les alliés de la montée de la droite. Rien d'intellectuel, ils ont joué un rôle très négatif. Les Jean-Marie Benoît, qui a été giscardien, etc. Il y a une sorte de complicité entre la nouvelle droite et les nouveaux philosophes. Mais d'autres intellectuels, comme Jean-Pierre Faye, Gilles Deleuze, etc., et moi-même, nous avons essayé de nous lier aux formes de lutte qui apparaissaient pour résister à l'évolution autoritaire du régime. C'est-à-dire que nous avons mené des luttes très actives contre les extraditions des militants italiens, espagnols. Nous avons essayé de défendre le droit d'asile. Nous avons lutté contre la loi Perfit qui a transformé complètement la législation et que Mitterrand devrait abolir, en principe, très vite. Nous avons lutté pour la défense des radios libres. Nous avons tous des procès, moi-même, pour mon action en faveur des radios libres, mais ces procès vont tomber aussi avec Mitterrand. Nous sommes liés aux travailleurs immigrés pour nous opposer à la politique d'expulsion des travailleurs immigrés, politique soutenue et encouragée par le Parti communiste français, hein, je le souligne, et par la CGT. Il ne s'agissait pas d'actions spectaculaires, de grands meetings à la mutualité, ou surtout pas de déclarations dans les télévisions, mais d'une action plus modeste, finalement, d'intellectuels essayant de, comme je vous dis, de trouver des nouvelles formes d'expression. Ce qui fait que les grands intellectuels dont vous avez parlé, eh bien, depuis longtemps, n'avaient plus de prise sur la réalité sociale. Some commentators said, y compris Michel Foucault actuellement, très peu d'intervention publique. Depuis là. Some commentators said outsell is a kind of public nuisance. That's true. Qui a dit ça? Some commentator in Japan. C'est une honte de dire ça, c'est vraiment scandaleux. Scandale. Ce sont eux qui sont une ce sont vos commentateurs. Parce que dans un drame comme celui d'Althusser, eh bien, vous savez, c'est très difficile de juger ça. Moi, mon métier me porte à penser que n'importe lequel d'entre nous, vous ou moi ou n'importe qui, peut être amené dans des situations terribles, comme celles qu'il a connues, et je vous assure que de porter un jugement comme cela, ça me paraît, je vous dirais très franchement et très brutalement, purement simplement une stupidité. Voilà. How do you analyze the decent trouble, Libération, newspaper? Bon, moi je connais depuis très longtemps Serge Julie, je connaissais la plupart des journalistes de Libération et j'étais très souvent en désaccord avec ce journal, mais j'ai toujours considéré qu'il occupait une place importante dans le mouvement en France et qu'il rendait des services importants, même si sur beaucoup de questions
il disait des bêtises. Il avait une grande tendance à suivre une orientation très défaitiste, un petit peu dans le style de Baudrillard, la fin du social, la mort du politique, ah, vous militez encore, etc. Bon, moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Mais ceci dit, c'était tout de même un instrument de liaison, de communication au sein du mouvement qui était important. Alors, il y a eu une crise terrible à Libération. Libération est ressortie. Peut-être vous avez les numéros. Moi, je suis parti au moment de la sortie du numéro 1. Nouvelle formule et un peu new look, un peu, bon, très ambitieuse, une quarantaine de pages. L'idéal de Serge Julie, c'est de faire chaque jour l'équivalent d'un hebdomadaire. C'est un exploit. C'est un exploit qui sera difficile de faire, parce qu'il faudrait avoir des moyens financiers immenses pour faire ça, et aussi des moyens humains. Bon, beaucoup de gens de l'équipe de Libération sont partis, beaucoup d'autres sont démoralisés. Enfin, je souhaite que Libération, je souhaite de tout mon cœur, continue, et surtout que dans le contexte de la victoire de la gauche en France, peut-être une nouvelle énergie, de nouvelles idées vont apparaître. Alors donc je reste quand même optimiste après avoir été très inquiet sur le sort de Libération. In the last issue of the Libération, Serge Jury said that l'équipe de Libération n'est plus un groupe en fusion. I think this is the same with the other radical organization in advanced capitalist countries, including Japan. What is the reason for this change? I mean, the group infusion is more and more impossible. Oui, écoutez, moi, pour ma part, j'ai un très grand respect pour la personne et l'œuvre de Jean-Paul Sartre. Mais je ne partage pas ces analyses, en particulier celles qui concernent les groupes en fusion. Très brièvement, car il faudrait faire un développement théorique qui n'est pas l'objet de notre interview. Mais, pour moi, les problèmes relatifs au groupe ne sont jamais seulement liés à des questions de groupe, mais renvoient à ce que j'ai appelé des agencements à composantes très diverses. Quand un groupe est, comme j'ai préféré appeler, groupe sujet ou groupe objet, au plus ou moins sujet, au plus ou moins objet, plus ou moins actif, plus ou moins passif, plus ou moins conscient, plus ou moins manipulé, ça ne dépend pas de la bonne volonté de ses leaders, ça ne dépend pas des techniques de groupe qu'on emploie, ou des bonnes ou mauvaises intentions démocratiques. Ça dépend de tout un ensemble de circonstances et de composantes et de modes de fonctionnement. L'équipe de Libération, parce que qu'est-ce que c'est un groupe? Alors c'est compliqué à définir. Ou quand est-ce que ça commence? Disons, les copains de Libération, comme toute une génération post-68, ont perdu leurs idées, ont perdu leurs idéaux, ont perdu leurs perspectives. Bon, ben, plus ou moins, et de façon différente pour les uns ou pour les autres. Ce n'est pas un problème de fusion, c'est un problème de perspective, et c'est un problème de liaison fonctionnelle avec les nouvelles formes que prennent aujourd'hui les luttes sociales, en particulier ce que j'ai appelé les luttes de type nouveau, que j'ai appelé les luttes moléculaires. Très curieusement, le public de Libération est à la conjonction de toutes ces luttes moléculaires. Le public de Libération, c'est beaucoup les travailleurs immigrés, les jeunes
qui ne se reconnaissent pas dans le système de production actuel, les femmes qui luttent pour leur libération, les féministes, les homosexuels, les psychiatrisés, les drogués, etc. Mais les gens qui font le journal sont devenus des journalistes. Ils ont pris l'éthique de l'information, le mythe, pour moi, la pure mythologie de l'information. Ce sont devenus des professionnels de l'information. Vous êtes journaliste, je ne vais pas dire du mal des journalistes, mais... Moi, je fais beaucoup de réserves sur cette mythologie de l'information et du journalisme. Alors, il y a un décalage très net entre le public de Libération et les gens qui font Libération. Et c'est là qu'est la difficulté, et pas du tout dans une perte de la fusion, une perte fusionnelle qui me paraît tout à fait mythique. Yeah, I was asking because for us, the Libération was a kind of a star for a long time. Certainly. What about to Makada at the journal of the prostitutes in France, if they exist? Makadam? I don't know this. A small movement are flourishing, in small movements in France are flourishing recently. What movement? Movement especially of journals. Could you write the name? No. This is in France. Yeah. Small journals are publishing more and more recently. Small? Je comprends pas. Journal. Ah, journal. Yeah. Les petits journaux disparaissent. Yeah, right. Pas tellement. Il y a encore une forte implantation de Free Press. Et surtout, plusieurs centaines de radios libres. Ils sont des petits noyaux d'expression. Mais il est vrai que les difficultés étaient telles que ce mouvement arrivait à décliner. Et maintenant, avec, encore une fois, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, on va avoir une expansion prodigieuse de tout ce type de mouvement. Another question. Au Japon, il y a beaucoup de free press. It's not especially recently, it's ladies, more and more ladies, because of the financial basis. Even the Nippon Dokusho Shimbun has a big program. Quel est votre tirage? How many exemplaires do you have? Nippon Dokusho Shimbun. 50,000. 50,000? C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Ah, c'est Libération, quoi. As for the family, I have a feeling that in Japan the family structure has been drastically changed during the past decade. This change synchronizes with the change of domination and the political system and social hierarchy and permeation of mass media. How is the situation of middle-class family in France? First, I am very very interested that you give me more explanation. Yeah. About the change in Japan. For instance, before the World War II, the family structure is very, very traditional. But after the war, such structure was changed.
but especially after the 1970s, the structure of family in Japan is much more changed in terms of the relationship of parents and the children. And in my words, it is becoming more and more bureaucratized. It's more becoming more and more bureaucratical. The relationship between parents and the children become more and more bureaucratic. It's very curious. Yes. To name bureaucratize the relation between parents. But I am doing the thing, yes. Yeah, it's synchronized with the change of structure of domination and political system. You have to understand why I am surprised, because I think exactly as you speak, I think so. What? You think so? Every people in Japan explain me that it's the contrary, that you have many traditional structure and family. No. Yeah. I agree with you, but yes, okay. You know that people said in Japan very Greek modernization of tools, of machines and so on, but social structure, I think perhaps you have many change in domestic situation, familiar situation, sexual situation and so on. Yes, okay. I will tell you. I would like very much so you accept to write something about that for the review whom I am director, because we made a special publication about Japan. Oh, and it's Philippe Pons we coordinate that. Yeah, I'm very much interested in writing. With your friend, please make something about that and other things if you want, and work with Philippe Pons. Thank you. You have this phone number, Philippe Pons? Yeah. But my question is about influence. Yes, but contact Philippe Pons soon, because he's leaving in July. Right. He leaves Japan and he will be French correspondent of the Monde in Roma. Okay. Yeah. Tell me that address later. Yeah. Yes. Yeah. So now, for your question in France. Yeah. It's very ambiguous because. En français, je vais dire. D'un côté, la situation est très ambiguë. D'un côté, en apparence, rien n'a changé, et même au contraire, on est revenu en arrière. Il y a toute une mythologie, une idéologie de la famille, de la femme au foyer, des enfants qui font très bien leurs études, qui ne pensent qu'à une chose, c'est à leur avenir professionnel. Et ça, c'est en effet beaucoup lié au type de modèle familial qui est véhiculé par les mass médias, en particulier par la télévision. Et d'un autre côté, au niveau que j'appelle moléculaire, par opposition au premier niveau molaire, on a une famille qui n'a rien à voir avec les autres types de familles. Vous savez, Freud, dans son étude sur le président Schreber, il dit que les personnes que voyait le président Schreber dans son délire étaient construites, on a traduit, à la 6-4-2. Un peu comme le théâtre Bunraku. Avec les,
Mais c'est un peu une la famille française, c'est un peu une famille Bunraku. Il y a la voix d'un côté, dans le poste de télévision, il y a les bras, les jambes qui partent un peu de tous les côtés, il y a des équipements collectifs, des assistantes sociales qui tirent la mère d'un côté. C'est une famille totalement artificielle, ou je dirais totalement déterritorialisée. Alors on fait tout pour que la marionnette familiale ressemble à une famille. Comme la marionnette Bunraku, on dit, ah bah oui, on voit bien, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça, c'est complètement manipulé, articulé par le pouvoir d'État, par le patronat, par la formation de la force collective de travail, par les équipements collectifs, par les mass médias. Alors, vive la famille, vive que cette famille-là trouve sa consistance, trouve son unité. Bon, mais c'est un leurre. The typical family in Japan is like that. The husband watching the television in living room, and the wife is calling to her friends in telephone, and the sons and the daughters listening the stereo in their room. Play golf and tennis, no? No, it's another day. Yes. Yes, we can. Last time, when I had two interviews with you, I did not ask you about your criticism on psychoanalysis. Yeah. I did not. Because I thought at the time, many people from psychoanalysis area would have asked you, but it turned out to be that none of the journals dealt with your criticism on psychoanalysis. So I suppose they were scared, because in Japan, contrary to Europe and the US, Freudian psychoanalysis has recently began to be institutionalized. So, your criticism probably is too early for Japanese. However, we welcome your criticism on psychoanalysis. Actually, many readers of your interviews for the Nippon Doshin Shimbun want to know what is the difference between schizoanalyse and anti-psychoanalysis of Lane and like that, and radical therapy. So please explain your schizoanalyse for the general reader, and also your criticism to psychoanalysis. Je le ferai très brièvement et donc très schématique. La psychanalyse freudienne, mais aussi la psychanalyse lacanienne, c'est-à-dire le structuralisme de la psychanalyse, qui axe tout sur les questions du langage, ont en quelque sorte pris en charge tous les phénomènes qui échappaient à la compréhension de la psychologie classique et de la psychologie universitaire et de la psychiatrie. Donc, ils se sont portés à la découverte de ce qu'on a appelé un nouveau continent de la subjectivité. Seulement, au lieu d'explorer ce nouveau continent, ils se sont comportés un peu comme les explorateurs au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, enfin disons dans la grande période coloniale. Ils ne se sont pas intéressés à ce qui se passait vraiment dans le continent africain ou dans le continent américain ou au continent asiatique. Mais ils ont surtout porté leurs efforts pour comprendre suffisamment de choses et pour adapter les populations au mode de vie européen,
au capitalisme européen. Et bien les psychanalystes, ils ont fait la même chose. Ils se sont intéressés aux rêves, aux lapsus, aux actes manqués, à la psychose, à la psychologie enfantine, aux mythes, etc. Mais pas pour comprendre, approfondir les logiques spécifiques de ces domaines, mais pour les ramener à la compréhension dominante, au mode de vie dominant, c'est-à-dire celui où il y a un certain type de rapport entre homme et femme, un certain type de triangulation familiale, un certain type d'interprétation de la réalité. Voilà mon reproche, c'est que la psychanalyse s'est comportée comme une sorte de puissance coloniale par rapport à l'inconscient, qui est quelque chose qui échappe justement aux réalités qui sont les nôtres dans nos sociétés développées. Alors, la schizoanalyse, c'est quelque chose qui ne voudrait justement pas être un mouvement, une internationale, une école, une technique qu'on apprend comme ça dans des manuels, mais c'est quelque chose qui se propose de réfléchir sur ce que sont les formes analytiques réelles de ce continent inconscient. C'est donc ça consiste donc à essayer de montrer que il y a un problème de l'inconscient aujourd'hui dans le champ social. Et ce problème, il ne concerne pas seulement les spécialistes, les psychiatres, les psychanalystes, mais il concerne tous les gens qui, par exemple, essayent de vivre leur vie dans un quartier populaire, ou dans une école, ou dans un groupe militant. Tous ces gens-là sont confrontés à des problèmes inconscients. Quand dans votre journal ou dans votre groupe militant, vous avez quelqu'un qui se pose en leader, qui aliène tous les autres, quand vous avez des comportements phallocratiques des hommes, quand vous avez des comportements d'inhibition, d'angoisse, de peur, etc., vous êtes confronté à toute une matière psychologique et même psychopathologique. Et qu'est-ce que vous devez faire devant ça? Ce n'est pas notre problème. Nous sommes des militants, nous sommes des animateurs, nous sommes des pédagogues, et ces questions-là, je les renvoie aux psychiatres, aux psychanalystes. La schizoanalyse voudrait vous dire non. Ces problèmes-là sont aussi les vôtres. Et pas seulement par solidarité humaine, mais aussi pour des raisons hautement politiques. Car si vous ne prenez pas en compte ce type de problème-là, eh bien, vous ferez immanquablement une politique dogmatique. Immanquablement, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'aujourd'hui le fonctionnement du capitalisme, qui est avant tout un producteur de subjectivité, qui est avant tout un manipulateur de la subjectivité par les masses médias, par les équipements collectifs. Donc, vous continuerez de mener la lutte de classe comme elle était au XIXe siècle, mais vous serez incapable de comprendre ce que c'est aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les luttes sociales dans le contexte actuel. Les luttes sociales, aujourd'hui, passent par une prise en charge de ces problèmes de la subjectivité, de l'inconscient et de toutes les manipulations dont ils sont l'objet. Do you think that any type of conventional psychoanalysis or not conventional, radical psychoanalysis cannot deal with micro class struggle that you said? Never. Do you think so? Je ne comprends pas votre question. I don't understand the question. Do you think any type of existed psychoanalysis theory cannot analyze micro clusters? Moi je constate qu'effectivement toutes les techniques psychosociologiques, toutes les techniques américaines de gestalt thérapie, toutes les techniques de psychanalyse de groupe, et aussi l'immense expansion aujourd'hui des techniques de thérapie familiale, évite les problèmes microsociaux, les problèmes micropolitiques. Cependant, je dois dire que au sein des courants de thérapie familiale existe ce qu'on appelle des pratiques de réseau, network practice,
qui s'efforce de poser ce problème. Et là, vous avez un praticien, qui est en même temps un théoricien, qui est Moniel Caïm, un psychiatre belge qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, et qui est l'animateur du réseau international d'alternatives à la psychiatrie, qui essaye de montrer qu'on peut faire une thérapie familiale compatible avec les luttes de quartier, avec les problèmes qui se posent dans les institutions concrètes, etc. C'est un courant très prometteur, mais c'est encore un embryon, c'est encore tout à fait à l'état naissant. Moi-même, j'ai participé à différentes rencontres, à différents congrès, y compris en Amérique latine, sur ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, la plupart des théories, des techniques continuent de poser une sorte de division, quoi, de division entre le champ social et le champ libidinal. Et ça, même les plus grands théoriciens comme Reich ou comme Mark Hughes ont continué de considérer que, au fond, l'économie politique et l'économie libidinale, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même registre. Pour moi, je considère que, au contraire, l'économie politique et l'économie libidinale entretiennent des rapports constants d'interaction, des rapports de rhizome. Et ça, l'évolution actuelle de la masse médiatisation, de l'informatisation, de la télématisation, nous montre constamment qu'aujourd'hui, la production, le travail sont liés sans arrêt à ces questions de manipulation et de production de subjectivité. Le travail, aujourd'hui, il tend à être totalement masse médiatisé, informatisé, télématisé, et donc les problèmes de subjectivation se posent constamment au sein même du procès de production. Et on ne peut donc pas faire la séparation. So that, for instance, Franz Kafka is much more better than... Franz Kafka? Kafka is much more better than so-called psychoanalysis. Sure. Évidemment, parce que... prenons un seul exemple de Kafka, où on voit la lucidité d'un grand, entre guillemets, pour rire, schizoanalyste. C'est que Kafka, avant la naissance du nazisme et du stalinisme, du nazisme, du hitlérisme et du stalinisme, a compris ce qu'était la mutation de la bureaucratie. Il a compris que il y avait une rupture entre les vieilles bureaucraties comme celles qui existaient dans l'Empire austro-hongrois et les nouvelles bureaucraties technocratiques. Il était lui-même, travaillait lui-même dans une société d'assurance, en fin de compte dans une sorte de sécurité sociale, quoi. Et il était beaucoup intéressé par les appareils, les machines à calculer, les proto-machines informatiques. Et il était fasciné par la transformation des individus en rouage informatique, en bureaucrate de type nouveau. Et il n'en a pas fait de théorie, mais il en a eu l'intuition, la sensibilité, beaucoup mieux que tous les théoriciens de son époque. Except Kafka, whom you were interested in literature, literary author, except Franz Kafka, whom you are interested in the field of literature? Bao, Jane Joyce, Samuel Beckett, que je beaucoup. But for you, Franz Kafka is special, I feel. For me, Franz Kafka is like a master. Franz Kafka. C'est un auteur qui m'a appris. C'est comme un grand philosophe. Franz Kafka, pour moi, c'est comme Freud ou Marx. J'ai compris des choses pour moi essentielles, comme les devenirs animaux, les devenirs machines, les devenirs invisibles, en lisant Kafka, pas en lisant Freud. Il y a des grands auteurs comme ça qui sont tout à la fois des romanciers, des philosophes, des politiciens. Kafka aussi est une sorte de militant, ou Antonin Artaud. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas laisser certains auteurs dans des catégories comme ça,
roman, littérature, philosophie, politique. Quoi. Very interesting. Would you tell J'allais me... dire, je me suis retenu de dire quelque chose que je dis quand même. Kafka, pour moi, c'est comme un ami. C'est comme un frère, comme un copain. Il vit pour moi. Quelquefois, devant certains problèmes, je me dis qu'est-ce que pense Kafka. Pour moi, Kafka, c'est une machine vivante, une machine abstraite qui continue de vivre. Un auteur, il survit tant qu'il continue de fonctionner. Le drame, c'est quand on continue de vouloir faire fonctionner un auteur qui ne peut plus fonctionner. Dans certaines situations, Marx ou Freud ne peuvent pas fonctionner. C'est donc pas la peine de continuer de vouloir les transformer, les adapter. C'est comme des vieilles machines qui sur ce domaine précis ne fonctionnent pas. Ce qui ne veut pas dire que Freud et Marx, pour certains domaines, ne fonctionnent pas. Et ils sont pas non plus des Deus ex machina qui vont être adaptés à toutes les nouvelles situations. Mais certains auteurs, comme Kafka, résistent particulièrement bien. Enfin, je crois qu'il a encore beaucoup, beaucoup à nous apprendre. You began to read Franz Kafka earlier than Marx and Freud. What do you say? You read Franz Kafka earlier than... In the same time. In the same time. When? When I was 18. 20, 18. I see. At the time, the existentialism is flourishing. No. I'm born in 1930. Très puissant. Yeah. Existentialisme. Mm-hmm. Moi, j'avais 18 ans en 48. Yeah. 1948. Yeah. It was a very strong period for Sartre. Existentialisme. I see. Would you tell me about your present commitment to the psychoanalysis? How do you have a commitment to the psychoanalysis? You still belong to the La Borde? I work. Yeah. Je travaille à La Borde. Yeah. Un quart de temps, environ. Quinzaine d'heures par semaine. Quoi. J'ai évidemment rompu totalement avec l'école freudienne, qui d'ailleurs a éclaté totalement. C'est la plus bonne chose que l'école freudienne ait fait, c'est de finir comme elle a fini, parce qu'au moins c'était une chose drôle. Je suis toujours en rapport avec un certain nombre de psychanalystes, je fais un séminaire, disons, de schizoanalyse avec un certain nombre d'analystes. J'ai continué et repris une pratique d'analyse, mais dans ma propre perspective, disons, dans ma propre perspective de ce que je veux analyser. Très très différente de ce que je pensais, de ce que je faisais avant. I think you told something like that before. Revolutionaries should model their action on the schizo process. Schizo process. Please explain the clear difference between schizo process and the usual schizophrenia. Yeah. For the general reader. Yeah. Oui, c'est pas. Je crois que ce sont des formules que je reprendrai plus maintenant. Ce sont des formules d'une époque. Au moment où il s'agissait de se démarquer vraiment de la psychanalyse et du lacanisme, qui était très puissant à l'époque où, avec Gilles Deleuze, nous avons écrit un théodique.
Et nous voulions dire par là que les modèles de la psychanalyse étaient essentiellement des modèles hérités d'une certaine conception de la famille et des névroses relatives aux personnages de la famille. Ce qu'on a appelé donc une conception oedipianisante de la psychanalyse. Par opposition à cela, nous avons dit, mais il y a d'autres modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement, d'abord, dans les sociétés précapitalistes ou primitives. Il y a le mode de fonctionnement des enfants avant leur oedipianisation. Il y a le mode de fonctionnement des psychotiques, etc. Donc, nous disions, il y a des processus psychotiques, mais la psychose, ça renvoie trop à la psychiatrie. Et on a donc dit plutôt schizo. Il y a des processus schizo qui traversent la société. Et pas seulement la psychopathologie, mais aussi les créateurs, toutes les situations où on rentre en rupture avec les significations dominantes. Alors, en ayant dit ça, les commentateurs nous ont pris au mot, photographiés, pour dire « Ah bon, vous dites donc que les schizophrènes sont des révolutionnaires ?» Nous n'avons jamais dit ça. Les schizophrènes, ce sont de pauvres gens, malheureux, emprisonnés dans des hôpitaux psychiatriques, ou emprisonnés dans des nosographies, dans des situations très aliénantes. Nous disons non, il existe un processus schizo qu'on peut quelquefois trouver un peu dans la schizophrénie, un peu dans l'enfance, un peu dans la création, un peu partout, c'est tout. Mais cette expression a engendré tellement de malentendus que je crois qu'il vaut mieux maintenant l'oublier. In my understanding, the aim of molecular analysis is to liberate the mad flows of desire. Maybe it's flu, to desire, or mad libidinal flows. But many readers mistake this notion for supporting some lunatic and irrational. C'est tout le contraire. But it's a not careful reader mistake this, but it's a very important point to understand your idea. Vous comprenez? Votre question est de la même nature que la précédente question sur le processus schizo. Nous, ce qu'avec Gilles Deleuze on a appelé désir, ça n'est pas du tout équivalent à ce que Freud a appelé pulsion. D'ailleurs, il a beaucoup changé de topic, etc. Nous ne disons pas qu'il y a une infrastructure pulsionnelle qui va se transformer en représentant de la pulsion, en représentant, en inscription, Vorstellung Repräsentanz. Nous disons qu'il existe plusieurs modes de fonctionnement pour la société, pour les machines, pour tout ce qui nous entoure, pour la vie elle-même. Il y a des modes de fonctionnement qui sont stratifiés, qui retournent à l'état initial, qui dépendent d'une sorte de principe de constance, comme l'a appelé Freud. Et puis il y a des modes de fonctionnement que j'appellerais loin de l'équilibre, loin des équilibres stratifiés, pour reprendre une expression de Ilya Prigogine. Pour nous, le désir, c'est à chaque fois que les équilibres antérieurs, soit de signification, soit de structure, soit de situation, sont rompus, et que cette rupture, au lieu d'entraîner une catastrophe, entraîne une prolifération, c'est-à-dire, entraîne une création, engendre de nouveaux types de possibilités. C'est ça que nous appelons le désir. Aujourd'hui, l'avenue de François Mitterrand, ça va être vécu par beaucoup de gens comme une catastrophe, comme un trou noir. Qu'est-ce que nous allons devenir? La France est perdue. Et moi, je pense au contraire que ça va être non pas
le génial président Mitterrand va sortir de sa tête des géniales formules comme feu Mao Tse-Tung, non. Mais qu'il va y avoir une prolifération de possibles. Et c'est ça que j'appelle le désir. Là où tout semblait impossible, quelque chose est créé. Mais c'est toujours ça le désir. Qu'est-ce que c'est que l'amour entre un jeune homme et une jeune fille? C'est pas du tout vouloir posséder des objets partiels, c'est pas du tout vouloir prendre possession d'un territoire, c'est pas, ça ne se réduit pas à une opération libidinale. C'est d'abord et avant tout le fait que dans un univers fermé, dans deux univers fermés, apparaissent des choses possibles qui la veille semblait impossible. C'est le fait que ces deux personnes, qui chacun était encerclé sur eux-mêmes, dans leur famille, dans leur moi, dans leur personne, voient apparaître quelque chose d'autre, un autre possible. Peut-être ce possible sera refermé, récupéré, repris par le couple, le mariage, etc. Peut-être. Mais l'amour, c'est quelque chose qui dit « Ah !» Il y a donc quelque chose d'autre de possible pour moi que la vie que je menais. C'est ça qui entraîne à sa suite la sexualité, les caresses, les conflits, la jalousie, tout ce que vous voulez. Mais le désir, c'est d'abord ce déclenchement d'un autre monde de possible. C'est ça notre problème du désir. C'est l'économie du possible qui surgit en rupture de l'économie du déjà-là, de l'économie du stratifié, de l'économie de la répétition. Alors, cette économie du possible, c'est quelque chose qui affole les gens. Mais c'est pas la causalité, c'est pas rationnel, mais c'est tellement rationnel. C'est qu'aujourd'hui, les physiciens parlent bien d'une thermodynamique loin de l'équilibre. Non, mais enfin, je ne veux pas développer là-dessus, mais ce qui est en question avec le désir, c'est la créativité. C'est le changement de système, les ruptures de structure. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un objet anti-scientifique. C'est l'objet, ça peut être l'objet d'un autre type d'abord, qui sera à la fois, évidemment, pragmatique, politique, scientifique, social. On ne peut pas catégoriser. Il n'y a pas de science du possible, pas de science de la prévision du nouveau, par définition. Et pourtant, c'est quelque chose de tout à fait, quelque part, de tout à fait rationnel. Ça ne veut pas dire du tout que tout est possible, que n'importe quoi doit advenir n'importe comment, c'est tout le contraire. Ce qui est irrationnel, c'est de penser que l'état de choses actuel doit continuer. C'est ça qui est irrationnel, de penser que le Japon ou la France vont continuer sur leur lancée. Et qu'en fonction des déterminations actuelles, on pourra faire des projections sur le futur. Ça, c'est complètement fou, c'est complètement irrationnel. Ce qui est beaucoup plus sérieux, c'est d'essayer de réfléchir avec ce que vont être les mutations prodigieuses que la jeunesse japonaise va apporter au Japon. Ou que les centaines de millions de jeunes qui vivent dans une misère effroyable sur la Terre vont apporter. On pense qu'ils vont rester comme ça ? Qui vont rester dans un état d'aliénation totale, de famine dans le monde entier. Mais il est beaucoup plus rationnel de penser qu'il va se passer quelque chose, et que c'est quelque chose, moi je ne peux pas le prédire, mais je peux prédire qu'il va se passer quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, et que nous devons tout faire pour aider cette mutation, ce quelque chose de nouveau, qui n'est inscrit ni dans la Bible, ni dans le Capital, ni dans le petit livre rouge de Mao Tse-Tung, ni dans le programme de François Mitterrand. As for your very important notion of multiplicity, give me have your account in terms of the difference between molecular multiplicity and molar multiplicity and group sujet. Vous allez trop vite, j'arrive pas à suivre. Oui. May I write you? So please explain about multiplicité.
I think you differentiate multiplicité in two ways. One is the multiplicité moléculaire and multiplicité molar. So a general reader wants to know these differences in detail. Of course, I know and I understand your notion. And can I understand the concept of multiplicité is a group concept? Really? Yeah. Oui, mais c'est aussi un concept que vous trouvez chez Leibniz, que vous trouvez aussi dans toute la philosophie classique. C'est pas le concept de multiplicité, c'est pas du tout Gilles Deleuze et moi-même qui l'avons inventé. Yes. Notre problème avec les multiplicités, c'est de sortir du couple objet-sujet. Le couple objet-sujet vient se plaquer sur des multiplicités qui, elles, ne sont ni objet ni sujet. C'est une option radicalement matérialiste, si vous voulez, en ce sens que nous ne considérons pas que le point de vue que nous avons sur l'univers, en tant qu'être humain, soit la vérité métaphysique de ce point de vue. Il y a bien quelque chose avant la division objet-sujet. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment va s'instituer la position de la subjectivation de la réalité, et puis aussi comment, il y a donc deux problèmes, celui de la subjectivation, et puis comment est-ce que des agencements sociaux, des agencements humains ont une prise sur la réalité. Ça, ce sont deux questions importantes. Alors, schématiquement, dès qu'il y a un système de représentation, de chaînes signifiantes, de détours par tous les appareils de communication, eh bien, il y a position d'un référent de cette représentation, et c'est le sujet qui capitalise, mémorise les informations, les représentations. Et qui ensuite organise ses relations, son monde, en fonction de cette capitalisation. Nietzsche disait qu'il a fallu employer des procédés de la pire cruauté pour créer une mémoire aux hommes. Ben disons que cette mémoire, c'est la subjectivité sociale, et que cette mémoire, c'est ça que j'appellerais le traitement molaire des multiplicités. L'incarnation sur le despote, ou sur Jésus-Christ, ou sur le représentant des multiplicités. Mais vous voyez que si on en reste là, on tombe dans une impasse. Car le despote, il devient totalement impuissant. La représentation, elle devient une icône. Elle devient quelque chose qu'on contemple, mais qui ne permet pas d'avoir de prise. C'est seulement quand il y a un autre type de processus, un autre type de traitement, que j'appellerais traitement moléculaire des multiplicités, qu'il y a un acte, qu'il y a une prise, qu'il y a une transformation. Et ce registre-là, on l'a appelé avec Gilles Deleuze un fonctionnement diagrammatique. C'est-à-dire qu'on oppose la représentation à l'expression diagrammatique. Pour me faire mieux comprendre, prenons des exemples d'asservissement cybernétique simple. Quand vous conduisez une automobile, vous êtes généralement asservi au sens cybernétique
au fonctionnement de l'automobile. C'est-à-dire que vos réflexes, votre perception, les signaux que vous recevez de la route, font que vous fonctionnez sans y penser, sans avoir la représentation de ce que vous devez faire. Peut-être dans certains cas, un signal imprévu vous dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» vous remet à la conscience. Alors là, la représentation intervient pour changer les systèmes de feedback, les systèmes d'asservissement sémiotique. Mais le vrai fonctionnement, le fonctionnement normal, il est de l'ordre du traitement moléculaire des multiplicités. Il n'y a pas de sujet qui dit « Félix, tu dois prendre ta main, la poser sur le changement de vitesse, tu dois appuyer. » C'est quand vous ne savez pas conduire qu'il y a le professeur qui vous dit « Mettez votre pied là, faites ceci, faites cela. » Ou quand vous devenez psychopathe, au moment de monter un escalier, vous pouvez vous dire « Mais est-ce que j'ai mon pied ? Est-ce que c'est bien mon pied ? Est-ce que vous tombez, vous ne pouvez pas marcher. » Quand vous marchez, quand vous avez de la grâce, quand vous dansez, vous ne pensez pas, vous ne vous représentez pas votre pied et vos mouvements. Eh bien ça, ce sont les deux types de fonctionnement qu'on peut distinguer. Le fonctionnement diagrammatique où les signes fonctionnent sans la médiation du sujet de la représentation, et le fonctionnement de la représentation où les signes fonctionnent en référence à un code, en référence à des icônes représentatives, en fonctionnement en référence au signifié. Je ne sais pas si ça peut vous éclairer beaucoup ce que je dis, parce que c'est très compliqué. Mais ce sont les mêmes multiplicités qui sont l'objet des deux traitements. C'est la même multiplicité de boutons, d'organes, de signaux sur la route, qui sont pris soit dans un fonctionnement molaire, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il faut que je freine, où suis-je, ou qui sont pris dans le fonctionnement naturel de la conduite, pour quelqu'un qui sait bien conduire, qui pense à autre chose, qui peut rêver, qui peut presque, pour un peu, presque dormir. Bon, il m'arrive presque de dormir en conduisant, mais d'avoir une conscience comme ça, je réfléchis beaucoup en conduisant. Je pense à autre chose, je ne pense pas à ce que je fais. Ce que je le fais directement sur un mode diagrammatique. Bon, un grand pianiste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à ses doigts, et qui ne pense pas à ses notes. Il pense à son interprétation, il pense à l'essence créatrice de l'œuvre qu'il interprète. Mais il ne pense pas, attention, dans trois mesures, j'ai un intervalle très difficile. Non, ça, c'est les pianistes à l'école. Et c'est la même multiplicité de textes, de notes, de sons qui est en question. Deux traitements, deux modalités. Pour moi, one of the most difficult thing to understand your ideas is your comment on semiotics. For me, it seems to me that it is very, very complex to understand. So, could you explain your interpretation of semiotics in very simple way, right? Because you differentiate many, many types of semiotics. Yeah. Just like semiotics post-significant. Ouais. Semiotics significant and semiotics asignifiant. Semiotics mêlé and like that. C'est quoi le troisième? Maybe this is not so correct. It's a mixed semiology. Oui. Yeah. Semiologie mixte. Mais alors, it is very difficult to understand for me. Bon, on va prendre des choses très simples. Une structure. Par exemple, la structure de la matière. La structure d'une roche. Une structure cristalline véhicule des formes
se reproduisent. Et ces formes, elles sont véhiculées par les atomes eux-mêmes. On peut donc dire que la forme et la substance sont totalement inhérentes l'une à l'autre. Voilà un premier niveau. Avec la vie des plantes et des animaux, la forme est transmise par des codes, des lignes de code, qui sont distinctes des chaînes chimiques. C'est-à-dire que vous avez tout un métabolisme de chaînes, d'ARN, d'ARN, qui fabrique les molécules complexes, qui fabrique les systèmes de reproduction, etc. Vous avez une autonomie du code. Donc vous voyez que quand on passe de la structure au code, il y a séparation, autonomisation d'un mode de codage. Quand vous adoptez les comportements humains, les outils, vous avez des modes de transmission qui ne dépendent pas du code génétique. Vous avez des apprentissages, des mémoires, qui peuvent procéder par le langage, par les technologies, etc. Et bien là, c'est encore une autre séparation, c'est ce que j'appelle une sémiotique. La différence d'une sémiotique et d'un code, c'est que les sémiotiques, elles utilisent des systèmes de signes, par exemple de façon entièrement linéaire, en référence avec des systèmes d'interprétation, alors que le code lui-même, il n'est pas forcément linéaire. Le fonctionnement du code, la syntaxe du code, participe du mode d'encodage. Parce que là, vous avez la distinction entre ce que Chomsky appelle une syntaxe et puis les éléments manipulés par cette syntaxe, les contenus, l'expression et le contenu. Parce que l'expression et le contenu dans le code génétique sont eux-mêmes liés. L'autonomisation d'une syntaxe, c'est ce que j'appelle une machine de signes. Seulement des machines de signes, il y en a de toutes sortes. La machine des signes de la musique, c'est pas la même que la machine de signes de la technologie pour faire des sabots, ou pour faire des équations, pour faire de la chimie. C'est pas la même machine de signes que celle qui sert pour payer les échanges, pour faire de la monnaie. Dans certains cas, vous avez des machines de signes qui fonctionnent sans produire le phénomène dit de signification. C'est par exemple l'argent, les équations algébriques, c'est la musique. Il peut y avoir des significations, mais à côté, il y a la sémiotique du texte de Beethoven, et puis il y a « ça me fait penser à la symphonie pastorale, ça me fait penser à les petits oiseaux ». Mais ce que vous pensez, quand vous pensez aux petits oiseaux dans la symphonie pastorale, c'est pas écrit dans le texte, c'est pas dans la sémiotique. La sémiotique, elle est insignifiante. Les équations, peut-être les équations, vous allez vous en servir pour fabriquer un pont, mais les équations, elles ne fabriquent pas de pont, elles. Ce sont les équations. C'est l'application qui donne une signification. Mais l'algèbre est insignifiante. Et puis vous avez le langage humain qui mélange les chaînons insignifiants, les phonèmes, les lexèmes, etc., avec des significations. Or, les sémiologies signifiantes, que j'oppose donc aux sémiotiques insignifiantes, c'est en même temps une autre type d'opération. C'est une opération de pouvoir. C'est une façon de construire une machine de pouvoir, de s'emparer de toutes les autres codes, de toutes les autres sémiotiques. Tu dois penser comme l'empereur. Tu dois penser comme le despote. Si tu ne penses pas comme un despote, ce que tu penses doit s'adapter, doit être compatible avec l'encodage signifiant donné. Toutes les significations singulières doivent se plier, s'adapter
aux significations de binaire. Ça, ce sont les sémiotiques signifiantes qui impliquent toujours la mise en place de formations de pouvoir articulées les unes aux autres. D'où l'importance capitale dans l'histoire des sociétés, des religions. Car les pouvoirs politiques et économiques seraient inconcevables sans les pouvoirs religieux qui interprètent comment articuler les différents types de pouvoir. Comment articuler le fait que tu es un enfant de telle classe d'âge, tu es un homme, tu es une femme. Comment interpréter les passages, les initiations d'un système à un autre. Tu produis pour le Dieu, pour le despote, pour toi-même, pour ta famille. Tout ça est rendu possible sur le plan économique et politique que parce qu'il y a une machine à interpréter les significations. Et au départ, d'abord une machine religieuse. In short, it's a theory of the unconscious machine. Your semiology is mainly to deal with the unconsciousness machine. Oui, parce yeah. que dans les sémiologies signifiantes, on a toujours affaire à du social et à du pouvoir. Mais dans les sémiotiques insignifiantes, on a affaire à la vérité des choses elles-mêmes. Les signes encodés dans l'ordinateur, dans la télématique, ils travaillent directement à même les processus physico-chimiques et les agencements technologiques, les machines, etc. On a donc une sorte de double description au niveau de ce que Marx appelait les rapports de production et au niveau des forces productives elles-mêmes. Les rapports de production sont toujours pris et prisonnières, les sémiologies signifiantes. Les forces productives, elles ont toujours quelque chose à voir avec les sémiotiques insignifiantes. Mais de leur articulation des deux dépend précisément de ce que peut être un traitement de l'inconscient machinique. L'inconscient, il est machinique à ce niveau. Et il est anthropologique à ce niveau. Ça, disons, c'est l'inconscient freudien, et ça, c'est l'inconscient machinique. Là, il y a des personnes, là, il y a des machines. On retrouve l'opposition molaire-moléculaire. Very interesting. Et avec tout ça, vous allez faire un livre, vous n'allez pas faire un article de journal.